500 livres. 500 plus 500. Tapis. 4 rois. Pardonnez-moi. 4 as. J'arrête. Orlius, c'est une reculade. Cap and Doc. Le propre de la chance est de tourner, monsieur. Et le vôtre, sera-t-il de tourner les talons? Monsieur! Monsieur? Monsieur, du calme, c'est un malentendu, le baron Capendoc de Cardagnac, le prince Volodovine. Ah, une partie qui me semble compromise. Eh bien, mon cher Capendoc, pour votre première apparition au Club des Aspects... Excusez-moi, j'étais tellement pressé de vous entretenir. Oubliez-vous que nous avons une petite affaire à régler? Pardonnez-moi, je me sens une envie de champagne. Encore un russe? Non, un hollandais. Il est arrivé avant-hier. Il prétend se nommer Van Buck. Je suis désolé, mon cher président. Non, vraiment. Vraiment, je n'avais pas l'intention de blesser le prince Volodovine. Le prince est un peu nerveux ce soir. Il attend l'issue d'un pari. Incroyable, mon cher. Oui, incroyable, c'est le mot. Ah, diable raconté. Mon Luc, je vous ai parlé de mon vieil ami de Gascogne. Heureux de vous connaître. Il paraît que j'arrive pour une grande affaire. Oui, une affaire d'amour. Oh, mais dans ce cas, ce n'est pas une grande affaire. C'est une belle histoire. Une étrange histoire. Un soir, à l'opéra, une femme parut mystérieusement seule dans une loge. Ses yeux, légèrement fendus en amande, brillaient au-dessus d'un voile qui cachait à demi son visage, à la manière de ces beautés d'Orient dont il nous arrive de rêver. Le temps d'un soupir, deux mains fines ont écarté le voile. Un sourire a brillé. Le prince Volodovine l'a reçu en plein cœur. Le sort était jeté. Le sort? À la sortie de l'opéra, comme hypnotisé par sa vision, le prince a suivi la belle inconnue jusque sur la colline de Saint-Cloud, à la porte d'un mystérieux domaine cerné de hauts murs. Où il est entré? Non! Il n'est pas entré. La porte du jardin s'est refermée pour ne plus jamais s'ouvrir. Et la belle jardinière, oui, c'est ainsi qu'on l'appelle, parce qu'une passion semble pourtant la faire vivre, une passion pour les fleurs, qu'elle fait cultiver, paraît-il, dans des serres fabuleuses. La belle jardinière, donc, a rejoint son royaume inviolé et secret, d'où elle avait daigné sortir l'espace d'une nuit. Et qu'est-ce que vous me chantez là? La vérité, mon cher, la stricte vérité. Et vous en aurez la preuve dès ce soir, parce que le pacte consiste justement à violer le mystère. Je n'aime pas ce pari, mon Luc. Rappelez-vous Koutsov. Il y a 2 mois, Koutsov a disparu dans des circonstances à peu près semblables à celles d'aujourd'hui. Disparu? Au Kroll. Vous vous complaisez dans le drame. Prince, je suis navré du malentendu de tout à l'heure. Je suis gascon, alors j'ai l'esprit un peu vif. Veuillez me pardonner. N'en parlons plus. Moi-même, je n'ai plus ce soir mon habituel sang-froid. Ces messieurs m'ont dit le motif. J'espère qu'ils n'ont pas commis d'indiscrétion. Aucune. N'est-il pas glorieux d'aimer? En quoi consiste le pari? Chut. Je regarde si ma chance a tourné. Artov. À vous de jouer. J'ouvrirai donc les portes du mystère. Où nous reverrons-nous? Je déjeunerai demain à 2 heures avec la belle jardinière au café anglais. Soyez-y tous. Vous aussi, monsieur. L'amour sans danger. Est-ce encore de l'amour? Voilà un homme. Comment avez-vous trouvé ces clés? C'est mon secret. Cocher! 10 livres pour toi si tes chevaux volent dans la nuit. Au paradis, va droit devant, je t'indiquerai plus loin. Avec tout ça, mon cher Rogroll, nous n'avons encore rien dit de nos affaires. Et ma femme m'attend. Courez la rejoindre, jeune marié. Puisque nous nous revoyons demain au café anglais, nous en profiterons pour régler ce qui nous occupe. D'accord, mais quand je pense que je suis venu exprès... Bonsoir, messieurs. Je vous remercie pour la façon dont vous avez su accueillir la Gascogne. Curieux mais sympathique personnage. Il vient de se marier? Oui, et il s'embarque après-demain pour l'Amérique avec l'idée bien arrêtée de la conquérir. Avec sa femme?
Carole? Ah, bien sûr. Ah, il n'en existait qu'une qui pouvait désirer un tel voyage de noces. Les anciens du club des Asperges l'ont bien connu. Prête, Captain Doc. Prête pour l'Amérique. À pied, à cheval, en chariot, en bateau. Prête pour les plaines, les déserts, les montagnes. Pour la poussière, la pluie, le soleil et le vent. Pour les Indiens criards, les pionniers barbus. Mon Seigneur et Maître, je suis prête pour le bout du monde. Baccara. Ma Baccara. Répète encore mon nom. Baccara, 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 Baccara. Ah, je n'aurais jamais cru que mon nom puisse sonner aussi clair. L'amour, Baccara. Je m'étais juré de ne pas me laisser prendre. Je ne savais pas qu'il y avait toi. Tandis-moi, je savais qu'il y avait toi. Conquistador. À propos, d'où viens-tu si tard? Du club des Asperges. Toi? Oui, il fallait que je voie Roucol pour la vente de ce pied-à-terre. Tu as dû t'ennuyer là-bas. Oh, pas du tout. J'ai même fait la connaissance d'un type étonnant, le prince Volodovine. Il doit vivre en ce moment une aventure digne de Rocambole. De Rocambole? Pourquoi de Rocambole? Et pourquoi pas Rocambole? Tu m'en as si souvent parlé. Peut-être. Mais Rocambole est parti. Il n'a jamais donné signe de vie. Alors je t'en prie, ne parle plus de Rocambole. Plus jamais. L'histoire est finie. Mais il y a l'amour. Et l'Amérique. Je voulais seulement te faire entendre qu'il pourrait bien se faire que le prince Volodovine disparaisse cette nuit. Disparaisse? Que se passe-t-il? Monseigneur, notre route fait ici un détour et ce lieu solitaire me convient à merveille. Bandit, tu veux me détrousser? Vous méprenez, prince. Car je suis gentilhomme. Grand duc. Lui-même. Et qui veut terminer sa partie de poker. L'amour m'attend, monsieur. De quel droit? Comment? Si vous voulez l'enjeu, acceptez ma relance. Qui est? Je réclame vos clés et je prends votre place. Oui. Donnez-moi les clés de la belle jardinière. C'est à moi de lui porter l'hommage de mon amour et de percer l'énigme qui l'enveloppe comme un manteau de cour. Allons. Donnez-moi les clés. Vous avez d'étranges comportements pour un gentilhomme. Oubliez-vous qu'un pari est affaire d'honneur? De quel droit voulez-vous m'empêcher de tenir loyalement le mien? Du droit que me donne le pari que j'ai fait. Avec Artof? Avec le destin. Si je le perds, je perds aussi ma vie. Et peut-être la vôtre. La mienne? Moi seule rencontre de ma vie. Oubliez-vous qui est la belle jardinière? Pour l'oublier, encore faudrait-il la connaître. Certes. Mais j'ai de son mystère une prescience. Que vous n'avez pas. Vous appelez-vous véritablement Van Buck? Appelez-moi l'homme gris. L'homme gris? C'est un nom qui convient au lieu et à l'heure. Laissez-moi passer. Allons, monsieur, suffit et donnez-moi vos clés. Croyez-vous vraiment que je puisse vous les donner? Hélas, non. Alors? Alors, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, prince. Mais vous courriez vers un paradis qui est peut-être aussi un enfer. Pardonnez-moi, prince, je serai plus rapide que le vent pour vous laisser le moins longtemps possible dans une position aussi inconfortable. Si je reviens,
Prince Voladovine, vos yeux commencent-ils à s'ouvrir? Je vous ai fait aveugle pour mieux vous attirer jusqu'à moi. Mais il est temps que le voile se déchire. Mes yeux voient et regrettent de ne pas être aveugles. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Que voulez-vous? Madame, pardonnerez-vous jamais ma folie? Je ne pouvais accepter que le prince Volodovine défie le sort qui l'a empêché de vous atteindre. C'est pourquoi je l'ai défié à sa place. Si je ne suis pas celui que vous attendiez, n'en accusez que l'amour. L'amour seul? Et quel autre dieu aurait pu me conduire en ces lieux, sinon l'amour? Me voici à vos pieds, tremblant de ma découverte. Allons, monsieur, relevez-vous. Le spectacle qui vous trouble est le décor familier de mes nuits. Me voici prisonnier d'un charme horrible. Ô Sphinx, le mot de votre énigme est désormais la seule clé de notre liberté. Croyez-vous? Et si j'étais un sphinx qui dévore ceux qui trouvent? Même si je n'étais que le jouet d'une fatalité atroce, il faut maintenant que mon destin s'accomplisse. Oh, mon très mystérieux amour, mieux vaut mourir que vivre dans l'ignorance de ce qui fait ma vie. C'est bien. Vous seul l'aurez voulu. Commencez-vous à comprendre. Je ne peux plus vivre aucun amour terrestre. Car je n'ai plus de cœur à donner depuis qu'un mort me l'a pris. Poussière, tu n'es que poussière. Sa froide main ne séchera jamais. Les herbes et les fleurs de mon pays lui ont donné l'éternité et la dureté du marbre. Elle ne lâchera jamais sa proie. Mais ne comprenez-vous pas que je vous donne ma vie? Allons, madame, fuyons. J'ai rompu le charme maléfique et je vous en délivre. Venez. N'approchez pas. Adieu, madame. Puisque ma vie vous est inutile, je la perdrai loin de vous. Un instant, monsieur. Je ne sais même pas qui vous êtes. À quoi bon? Puisque vous n'avez pas voulu me suivre, je ne suis plus qu'un homme gris qui va disparaître dans la nuit. Au moins, ne pourrais-je savoir comment vous êtes parvenu jusqu'à moi? Avec la clé du prince Volodovine. Mon défi au destin était d'abord de la lui prendre. Mais, dites-moi, madame, quand je suis arrivé tout à l'heure, il m'a semblé que vous attendiez une visite. Vous saviez donc que le prince Volodovine devait venir cette nuit? Puisque tout est dit, monsieur, sachez que nul n'a le droit de savoir ce que je sais, ce que je suis, ce que je veux. Pire. Nul n'a le droit de m'aimer. Et toute vie que l'on me donne est une vie perdue. Bien, Léa. Très bien. Je suis content de toi. Bonne utilisation des circonstances imprévues. Grâce à toi, il ne s'agit plus que d'un contre-temps. Tu as raison, Nadeïa, voilà la prudence. Sergueï va s'en occuper, mais ce que nous avions prévu pour cette nuit doit s'accomplir. Chut.
Prince Koutsov. N'approchez pas. Oui. Koutsov. Prince Volodovine. Contemplez ce spectacle que je vous ai réservé. Et contemplez en lui le sort qui vous est promis à vous et à tous les fidèles de Kouzmik. Sinon, celle que nous nommions la belle jardinière n'était autre que Nadeya, la créature du prince Potoniev, le prince fou. Voilà, Davine. La terreur serait-elle pour vous le commencement de la sagesse? Je suis venu en aveugle, ébloui par la belle jardinière. Et mon trouble était celui de l'homme qui, croyant parvenir aux marches même du paradis, se découvrait au tréfonds de l'enfer. Mais maintenant, je vous connais, Nadeya. Vous n'êtes plus à mes yeux que l'ennemi, celle que je dois abattre au nom de Kousmik, le roi errant. Celui qui en vérité n'est autre qu'Alexandre, le vénéré tsar de toutes les Russies. Car vous espérez encore. L'haine n'a pas besoin d'espérance pour animer la bataille. Nadeya, vos yeux sont deux fleurs empoisonnées. Vous ne tirerez pas sur moi. Et je cueillerai ces fleurs. Vous avez raison. Je ne tirerai pas. Noble Volodovine, te voilà pris. Oh, j'ai bien reconnu ton courage, mais aujourd'hui, il était inutile. Lou, tu commences un étrange voyage dans un pays surprenant où tu deviendras mouton. Bientôt, ma conquête s'achèvera et le triomphe de Potoniev sonnera par toute la terre. Il convient d'abord d'achever l'ouvrage de cette nuit. Sage Nadeya, tu as toujours raison. Est-il arrivé? Hier soir, j'étais au club des asperges. Puis j'ai suivi le prince Volodovine. Puis... comme c'est étrange. Mais pourquoi en est-il ainsi? Combien de temps pour le premier voyage? Oh, bah, dans moins d'une heure, nous sommes de retour, là. Parfait, je vous donne 20 minutes. Takara, il a disparu! Qui, mon ami? Qui, le prince Volodovine, bien sûr. J'étais au café anglais avec mon Paul, mon Luc et deux autres. Le prince Volodovine. Le prince Volodovine devait y arriver à 2 heures avec la belle jardinière. À 4 heures, quand nous sommes partis. Pas de belle jardinière. Et pas de prince Volodovine. Et alors? Quoi, et alors? Ah, bah, ça me paraît assez clair. Volodovine a disparu. Mais voilà un quart d'heure que je me tue à te le répéter. On ne rate pas un rendez-vous qui est la conclusion d'un pari. Et rappelle-toi la mésaventure du prince Koutsov, qu'on n'a toujours pas retrouvé. Mon ami, si tu avais été lieutenant de Rocambole... Encore Rocambole? Mais je croyais que tu ne voulais plus entendre prononcer ce nom. Peut-être. Mais Rocambole t'aura appris ceci. Plus l'histoire risque d'être folle, plus il convient de l'aborder avec un bon sens élémentaire. Mordios, me ferais-tu la leçon? Non. Mais sais-tu ce que Rocambole te dira à ma place? Il te poserait une question. Mon ami, êtes-vous passé à l'hôtel Volodovine prendre des nouvelles du prince? Et pourquoi faire? Il me paraît évident que... Ainsi, vous concluez à la disparition sans vous assurer que le prince n'a pas reparu chez lui. Mais... jurez-moi qu'en 7 minutes,
Le prince n'est pas occupé à savourer un bon cigare dans le meilleur fauteuil de son salon. Non, je peux pas. Alors, qu'attendez-vous? Bon, j'y vais. L'hôtel Volodovide est à deux pas. Capendoc! Capendoc, je ne me permettrai pas de te donner la leçon. C'est toujours Rocambole qui parle par ma bouche. Rocambole. Baccarat. Ne se croirait-on pas au théâtre lorsque le héros surgit à l'improviste? Rocambole, crie l'héroïne. Et le héros, faisant appel à toute sa verve lyrique, répond... Baccarat. Toujours le même. Tu arrives? J'arrive. Bonjour, petite sœur au point solide. D'où viens-tu? Madrid, Rome, Athènes, Kiev, Moscou, Berlin, Amsterdam, Dublin. Je tournais autour de Paris. De Paris qui m'attendait. Crois-tu? Pendant tout ton voyage, tu ne m'as pas fait le moindre signe. Et le temps a passé. Le sais-tu? J'ai appris cela sur mon perchoir. Ainsi, te voilà mariée. Mes félicitations, madame. Sur mon perchoir, j'ai appris aussi une étrange aventure. Volodovine. Oui, une disparition mystérieuse. J'arrive à point nommé. Surtout qu'il n'a rien perdu de sa vertu. Qui? Mon grain de sel, tu te rappelles? Hop, hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est trop tard, Rocambole. Je suis contente que tu sois là. Mais je m'étais faite à l'idée de ne plus jamais te revoir. Tiens, tiens, tiens. Aurais-tu la tête trop dure pour comprendre ce que tu m'as fait? Moi? Que t'ai-je fait, grand Dieu? J'étais à la baccarat. Et je t'ai appris à danser. Oui. Tu as fait pousser les Indes en plein cœur de Paris. Tu m'as donné une belle aventure. Mais l'aventure terminée, les lampions soufflés, tu tires ta révérence. Et me voici seule, abandonnée. J'ai trouvé l'amour. Y avais-tu pensé? Non. Agir vaut mieux que penser. Baccarat, ce matin, j'ai regardé le ciel de Paris et je l'ai trouvé un peu palichon. Je me suis dit, il faut lui redonner des couleurs. Cette nuit, j'ai écouté danser la grande ville. Sa cadence s'alourdit. Même la scène a un air de paresse qu'elle n'avait pas. Elle s'enroulait, se déroulait par plaisir. Maintenant, elle se vautre. Ah, il était temps que je rentre au pays. Et voilà. Rocambole arrive, l'air se met à chanter. Et si Rocambole le décide, la scène va couler tout droit. Et pourquoi pas? Veux-tu que nous essayions ensemble, ma fidèle? Trop tard, Rocambole. Je m'embarque demain. Capendoc m'a promis l'Amérique et il est bien capable de me la donner. Je sais, je l'ai vu. Alors pourquoi viens-tu? Si tu le demandes, il est inutile que je réponde. Pourquoi viens-tu? Ils sont 1000 prêts à te suivre. Tu préfères les anciens? Va revoir Mourax, Marmouset, Mordebrave. Tu ne viens pas. Pourquoi revoir les autres? Tant pis. Adieu, Baccarat. Rocambole. Baccarat. Que sais-tu au juste à propos du prince Volodovine? Tout, évidemment. Raconte. Tu veux vraiment? Oui. Alors demain, à midi, ici, je te donnerai la clé de l'énigme. Pourquoi pas tout de suite? Parce que tu n'es pas redevenu, Baccarat. À demain, midi. Je te l'avais bien dit. La visite de son hôtel était inutile. Volodovine a disparu. Bah tiens, et que faire? Prévenir la police, me lancer tout seul à sa poursuite? Non, c'est pas impossible. Nous partons demain, Baccarat. Non, mon ami, nous ne partons plus. Pardon? J'ai dit non, mon ami, nous ne partons plus. Enfin, nous partirons plus tard. Nous prendrons le bateau suivant, voilà. Enfin, je... Non, non, ne me pose pas de questions. Ma décision est prise. Je dois répondre au signe qui m'appelle. Un signe? Quel signe? Oh, Capendoc. Capendoc, mon ami, je t'aime. Tu es rempli d'audace et de bonté. Tu conduiras ton panache blanc au milieu des plumes de Cheyenne. Je serai près de toi. Mais comprends donc. On ne peut pas quitter Paris tant que la Seine coule de travers. Où vas-tu? Baccarat! Voilà, monsieur. Oui. Premier voyage est terminé. Ouais. Le second sera vite prêt. Allons, laissez-moi au moins un fauteuil. Allez.
Monsieur? Asseyez-vous, je termine ma page. Je suis à vous. Faites, monsieur. Baccarat! Marmouset, il y a 3 mois que nous étions plus vite. Où est Mourax? Ici. Je me disais, je connais cette voix, Baccarat, comme je suis content. Mon bon Mourax. Allons, dis-moi encore que je te rappelle le bon temps. Ah non, car je commence à devenir élégant. Réussite? Eh, pourquoi pas. L'hôtel du Major Avatar vendu, la somme partagée, la part de chacun était suffisante pour prendre goût au confort. Avez-vous revu le Bordet Brave dans sa nouvelle boutique? Non. Mais je vais aller le voir en sortant d'ici. Il faut que je vous parle à tous les trois. Ah? Oui. Vous avez vu le ciel ce matin? Il est un peu palichon. Il faudrait lui redonner des couleurs. Si je vous demandais de me suivre, moi, comme vous avez suivi le maître, qu'est-ce que vous répondriez? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde, Baccarat? On est d'accord, bien sûr. Je vous l'avais bien dit. Merci. Mais dites-moi, Baccarat, est-ce que vous courez quelques dangers? Il est possible que j'en cours, oui. Demain midi, soyez tous chez moi. Si je n'y suis pas, c'est qu'il me serait arrivé malheur dans une villa de Saint-Cloud. Dans ce cas, il faudra se précipiter à la villa pour retirer d'affaires? Oui. Ou pour me venger. Comptez sur nous. Mais dites-nous, Baccarat, le maître, vous avez de ses nouvelles, n'est-ce pas? Peut-être. Il est revenu? Baccarat. Chut. Demain, à midi. Ah non, je n'attendrai pas demain pour prévenir la police. Vous croyez, vous exagérez. Qui vous dit que Volodovine n'est pas en train de filer le parfait amour avec la belle jardinière dans quelques lieux secrets? Et le pari, vous l'oubliez? Volodovine est un homme d'honneur. Ah non, il y a trop de points obscurs dans cette sombre affaire. Et Artov, on ne l'a pas revu. Pourquoi? Hola, monsieur. 2 mots, je vous prie. L'homme gris. L'homme gris. Vous avez dit l'homme gris. Je vous demande pardon, je voulais dire vendu. Non, l'homme gris, je préfère. Eh bien, puisque vous savez ce nom, peut-être allez-vous pouvoir m'aider. Vous aider? Moi? Figurez-vous qu'il m'arrive une aventure étrange. Hier soir, j'ai suivi le prince Volodovine. Oui, j'ai suivi avec tellement de passion votre pari au sujet de la belle jardinière que j'ai voulu vivre moi-même quelques bribes de l'aventure. Et alors? Et alors, je ne me souviens de rien. Seriez-vous sujet à l'amnésie? Il faut le croire. Et pourtant, il reste dans ma mémoire comme la trace d'un rêve. De quoi auriez-vous donc rêvé? Une femme, étrangement belle, aux yeux légèrement fendus en amande. Près d'elle, le cadavre d'un homme étendu sur un catafalque. Si vous pouviez mettre un nom sur les personnages. La belle jardinière et Koutzov. Eh bien, qu'en pensez-vous? Je ne vois pas où vous voulez en venir. J'ai un aveu à vous faire. Lorsque j'ai appris que Volodovine n'était pas venu au café anglais, j'ai conçu à votre égard un terrible soupçon. Lequel? Le pari était un piège. Les clés de la belle jardinière, c'est elle qui vous les avait données. Peut-être mon soupçon était-il fondé? Monsieur, me permettez-vous de vous donner un conseil? C'est ce que je suis venu vous demander. Il y a des fois où l'on se laisse emporter par son imagination. Méfiez-vous. Certains cauchemars peuvent devenir réalité. Tant mieux, monsieur, tant mieux. C'est ce que j'attends. Sergueï, rentre à Saint-Cloud. Dis à son Altesse que l'homme en gris n'est pas le papillon de nuit que nous pensions. Il y a dans ces questions de la poudre à canon. Il convient de faire attention. Phil, tu rentreras plus tard.
pardonne-moi. Il fallait que j'agisse ainsi. Il doit y avoir en moi un démon, mais je t'en avais prévenu. Ne t'inquiète pas. Demain à midi, tu auras tout compris. Je te demande encore une fois de me pardonner. Je t'aime. Baccarat. Baccarat, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ici que ta vie nouvelle devait te conduire. Et te voici. Une petite musique est revenue dans ta tête. Rocambole. Est-ce pour t'étonner? Est-ce toi, Rocambole, que je défie? Ou bien est-ce un défi que je me lance à moi-même? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je veux entrer dans cette ville-là. Rocambole, je ferai comme toi. Je provoquerai l'événement. Comment? Je vais sonner. Dans l'homme gris. Artoff a eu raison de t'envoyer Sergueï, mais il s'est trompé. Car l'homme gris n'est pas dangereux. Pardonnez mon retard. Artoff, contemplez celui qui vous a si fort alarmé. L'homme gris? Mais c'est impossible. Impossible, et pourquoi? Parce que je le quitte à l'instant. Je l'ai suivi après vous avoir envoyé Sergueï. Mais alors qui serait celui-là? Femme. Me ramener une femme. Chat sauvage qui n'y voyait plus la nuit, on vous a donc crevé les yeux. Qui es-tu? Que veux-tu? Le prince Volodovine. Vous la connaissez? Non. Mais si elle demande Volodovine, c'est qu'elle est une complice de l'homme gris. Réponds, qui es-tu? Et vous? Tu oses me narguer? Vous en doutez? Artoff. Elle ose. Vous devriez comprendre où vous êtes. Mais que croyez-vous que je fasse? Vous me donnez un joli spectacle? Je regarde. Ce sont les partisans de Kouzmi qui vous paient. Je me paie moi-même. Où est le prince Volodovine? Que t'importe de le savoir? Il m'importe déjà de voir que vous n'osez répondre. Madame, je crois qu'il est temps de prévenir le prince Potaniev. Il est à Marly. J'y vais. Tu veux vraiment savoir où est Volodovine? Que de précautions avant de me répondre. Tu regretteras ton impatience. Voici ma réponse. Est-ce le chemin de Volodovine? Que vois-je? Où suis-je? Quel est ce royaume?
des fleurs de paradis, des lumières de paradis, mais qui semblent sortir de bouches monstrueuses. Les démons auraient-ils apprivoisé les anges? Baccarat, te voilà prisonnière d'un cauchemar plus réel que toi. V. Volodovine. Quelle est cette torpeur qui m'envahit? Mon esprit semble chavirer. Une houle noire l'emporte. Pourquoi? Pourquoi? Les fleurs! L'odeur des fleurs! Oh non! Oh non! Oh fleurs! Vos parfums se glissent en moi, comme les serpents du diable. Je sais parfaitement que mes déclarations semblent relever de la pure fantaisie, mais... Semble. Mais je suis un homme sensé, vous en aurez bientôt la preuve. Et nous verrons, nous verrons. Et nous approchons. Je suis confus de vous importuner, madame, mais vous savez fort bien que l'administration, fût-elle policière, a ses servitudes. Parlez, je vous en prie. Monsieur prétend que le prince Volodovine a disparu. Il voulait que je l'accompagne à Moscou. J'ai beaucoup regretté que cela ne me fût pas possible. Mais un départ si rapide sans que personne ne fût prévenu. N'insistez pas, voulez-vous? Nous sommes tout de même venus dans un but précis. Vous voulez visiter? Madame, encore une fois, je suis confus. Il ne faut pas. Je comprends fort bien l'impatience de monsieur. On a sans doute parlé de mes serres au club des asperges. C'est une joie pour moi de vous les faire visiter. Je suis assez fière des résultats que j'ai obtenus. Eh bien, venez-vous? Nous aurions pu au moins entrer. Taisez-vous, surtout taisez-vous. Enfin, encore un mot et c'est vous que je vais mettre sous surveillance. Médicale, bien sûr. Monsieur de Beaupréau,
faites-vous ici? Vous voyez, je ramasse du pissenlit. Soit dans la petite baraque où j'habite, je l'ajoute à du cresson, puis des fois des pommes de terre, puis du lard, c'est meilleur. Et vous aimez le pissenlit? Monsieur de Beaupréau, il se passe en 7 minutes des événements dignes de l'apocalypse. Oui. Ah oui, j'ai vu, vous étiez caché dans un corbillard. Soleil rouge tourne dans ma tête. Ah, un soleil rouge. Parfaitement. J'ai sûrement vécu cette nuit une incroyable aventure. Je ne me souviens de rien. Évidemment, bien sûr. Je ne sais même pas ce que je faisais dans un cercueil. Bah d'ailleurs, que peut-on faire dans un cercueil? Cela est étrange, monsieur de Beaupréau. Moi, non. Non, il faut s'étonner de rien. C'est si reposant pour l'esprit. Où sommes-nous? Au bois de Meudon. Quelle heure est-il? 11 heures passées. Captain Doc. Vite, venez. Non, je ne peux pas. Non, il faut que je ramasse du pissenlit. Mais j'ai besoin de vous pour trouver un fiacre. Non, je ne peux pas. Je vous emmène. Mais non, non, je suis bien maintenant. Laissez-moi tranquille, je ne peux pas. Baccarat! Vous désirez? Si je comprends bien, Baccarat n'est pas là. Enfin, je veux dire, Madame Baccarat. Vous la connaissez? Et qui êtes-vous? Monsieur Mourax. Achat et vente d'hôtels particuliers. Pour la vente de mon pied-à-terre, je fais l'affaire directement. C'est pas pour ça que je viens. Madame Baccarat nous a demandé de venir à midi chez elle. Et que si elle n'y était pas, qu'il fallait courir à son secours. À son secours? Mais où donc? Dans une villa, Saint-Cloud. Fordouche, je m'en doutais. J'arrive à temps. Baccarat. Vous êtes tous là. Merci. Je vous présente mon mari. Son mari? Mais d'où viens-tu? Je ne sais pas. Comment tu sais pas d'où tu viens? Quelle heure est-il? Midi moins une, pourquoi? Enfin, Baccarat, quand je te demande. Il nous reste exactement une minute pour nous expliquer. Eh ben, où est-il? Qui? Mais où tu vas? Je sais que je suis là. Monsieur de Beaupréau. Monsieur de Beaupréau. Asseyez-vous là et racontez. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais vous m'avez amené de force. Monsieur de Beaupréau, je vous demande de raconter où vous m'avez trouvé. Dans un corbillard. Dans un corbillard? Oui, dans un corbillard. Mais je croyais que tu devais aller chez la belle jardinière. Sans doute y suis-je allée, mais je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Mais d'abord, qu'allais-tu faire dans un corbillard? Puisque je te dis que je n'en sais rien. Il y a une chose dont je suis certaine. C'est qu'il est arrivé malheur au prince Volodovin. Et qui c'est, Volodovin? Comment, ils savent pas? Non, on sait rien, nous. Nous sommes venus, c'est tout. Oh, ma tête va éclater. Faites comme moi. Mais d'abord, qui c'est, ces gens-là? Chut. C'est l'heure. C'est l'heure. Regardez. Regardez quoi? Par cette fenêtre. Au 12e coup de midi apparaîtra... Et pourquoi vous dire qui va venir, vous le reconnaîtrez? 9, 10, 11. Je vous demande pardon. On m'appelle l'homme gris. J'ai vu la porte ouverte, je suis entré. Je vous connais. Tu connais cet homme? Eh oui, il était au club des asperges. On vous nomme Van Buck. On m'appelle aussi Van Buck. Et que pouvons-nous faire pour vous? Rien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, que voulez-vous? La belle jardinière et le prince Volodovin aiguillonnent votre esprit. Vous vous posez des questions. Je suis venu pour y répondre. Vous savez où est le prince Volodovin? Oui. Dans ce royaume des ombres, où règne la belle jardinière, il y a rejoint le prince Koutzov et d'autres grands seigneurs russes. Avant Paris, Vienne et Berlin ont vu des disparitions similaires. Pourquoi? Parce que ces nobles russes se sont montrés favorables aux ambitions de Théodore Kouzmik. Kouzmik? Attendez, attendez. Il me semble avoir entendu ce nom, Kouzmik. N'est-ce pas ce fou qui se prétend le tsar Alexandre Ier? Lui-même. Volodovin et Koutzov sont de ceux qui nient la mort d'Alexandre Ier en 1825, à Taganrog. Et qui veulent rendre le nom et le trône auquel prétend Kouzmik.
Mais alors, les ennemis de Volodovine et de Koutsov agiraient pour le compte de l'actuel Nicolas? Non. Non, c'est un autre ennemi de Nicolas qui commence sa bataille en faisant la chasse aux partisans de Kouzmik. Et qui? Potoniev. Le prince fou. L'homme au regard de feu. Pour lui, la Russie est un tigre vieilli avant l'âge par ce qu'il nomme la décadence de l'Occident. Il veut rendre à ce tigre sa force et sa vertu par un grand souffle venu de l'Orient. Pour sa bataille, il a forgé son arme sur les deux versants du monde. Alliant la mystique des anciens sages et alchimistes du Tibet aux découvertes les plus récentes de nos propres savants, il a conçu une science redoutable que Swedenborg ne renierait pas et qui laisse entre ses mains une fabuleuse puissance. Voici un mouchoir qui appartient sans doute au prince Vladovine. Je pense que je l'ai trouvé au domaine de la belle jardinière. C'est pourquoi je suis sans doute entrée dans ce domaine. Mais je ne garde aucun souvenir de l'aventure. Serait-ce là le pouvoir de Potoniev? N'en doutez pas. Il peut tendre sur notre esprit un voile qui l'obscurcit et qui laisse dans notre mémoire d'insondables vides. J'en aurais fait l'expérience dans mon aventure à Saint-Cloud? Sans aucun doute. Mais la belle jardinière? C'est une créature de ce Potoniev. Elle est l'image même de sa vision prophétique. Pour lui, les temps seront accomplis lorsqu'il l'aura placée sur le trône des tsars. Car elle est princesse. Et princesse pour lui plus que tout autre au monde, car elle est Nadeya, la fille lointaine de Gengis Khan, le conquérant, le dieu sauvage. Et comment pouvez-vous savoir tout ça? Il est un homme pour qui aucune énigme ne résiste. Un homme dont le regard a le poids qu'il faut pour que tous les mystères fondent comme neige au soleil. Je l'ai rencontré à Moscou. C'est lui qui vous a dit tout ça? Oui. Et un homme, comme dit monsieur, il n'y en a qu'un. C'est lui. Lui? Le maître. Il porte un nom étrange. Un nom que nous murmurons tout bas, au-dedans de nous, lorsque le courage vient à nous manquer. Rocambole. Vous êtes son messager? Et quand vous a-t-il demandé cela? Quand? Ce matin. Ce matin? Où l'avez-vous vu? À Paris. À Paris? Le maître est à Paris? Mais pourquoi ne vient-il pas lui-même? Peut-être a-t-il hésité à reparaître brutalement devant vous? Pourquoi? Le maître sait bien qu'il peut tout nous demander. Justement. Pourquoi vous arracher à cette vie paisible qui est maintenant la vôtre? Nous arracher? Quand nous n'attendons qu'un signe de lui pour le rejoindre. Et que nous sommes tous ici sans savoir? Seulement parce que nous espérions avoir de ses nouvelles? Non, le maître n'a pas pu nous faire ça. Nous voyons-nous vraiment pour la première fois? Le monde est neuf chaque matin. Pourtant, on se croirait à la veillée d'armes, comme à la nuit des togs. Et vous êtes tous là. Merci. Je savais bien que c'était vous. Non, c'est pas possible. Capendoc. Voici Rocambole. Voici l'aventure, la force joyeuse à qui rien ne résiste, parce qu'elle a la chaleur de l'homme juste. Le prince au regard de feu et la fille de Gengis Khan ne vont plus dormir tranquilles. Je ne suis pas celle qui craint ou celle qui fuit. Madame, il ne s'agit ni de craindre ni de fuir. Il s'agit de montrer la prudence que les circonstances imprévues exigent. C'est la maladresse de Sergueï qui a permis à la femme blonde de s'évader. Enfin, qu'importe le motif, elle est libre. Et c'est une complice de l'homme gris, dont le danger maintenant est une certitude. Madame, le prince au regard de feu ne peut se tromper. Il faut abandonner pour un temps cette demeure paisible et nous réfugier dans notre retraite inviolable où se parfait la source de notre puissance. J'accepte. Et vous me laisserez le soin d'un combat. Celui qui s'achèvera par la disparition de l'homme gris. Il n'y a plus d'homme gris. Il a vécu, le cher homme. Il a donné un visage à l'ennemi de Potoniev. Un visage que désormais Potoniev perdra son temps à poursuivre. Encore un de vos tours? Et ainsi nous serons plus à l'aise pour reprendre la piste de Volodovine et percer à jour le mystère de la belle jardinière. On est prêts? On est braves. Oh, je sais, maître, je sais. Et ce soir, tous au nouvel hôtel du Major Avatar, pour notre premier conseil. Hein? Allez! Bon, alors à ce soir. Où tu vas?
Ah, mystère, le maître m'a chargé d'une mission. Mystère. Où va-t-il? Ah, pas besoin de le savoir, allez, viens. Monsieur Prévert, vous l'avez oublié celui-là? Oui. On oublie toujours. Ça n'a plus d'importance. Sir William s'est abandonné? Non. C'est moi qui l'ai quitté. Eh ben, ça t'a pas réussi, mon vieux. Non, mais regarde-le. Tais-toi, mademoiselle. Laissez-le rire. C'est un enfant. Même un enfant n'a pas le droit de se moquer des malheurs d'un homme. Je suis pas malheureux. Je vis dans une petite cabane dans le bois de Meudon. Je ramasse les chiffons, morceaux de ferraille. Et si quelqu'un avait besoin de vous? J'ai plus la force. Bien sûr. Si je pouvais encore vivre comme tout le monde. C'est trop tard maintenant. Tout est fini pour moi. Monsieur de Beaupréau, je dirige une affaire immobilière qui me cause beaucoup de soucis. Accepteriez-vous de me donner un coup de main? Monsieur, ça sera un renseignement. Oui. Là, je suis jardinier, je cherche du travail. Croyez pas que la villa à côté... Ça m'étonnerait. Les maîtres, on les voyait jamais. Quant aux domestiques, des muets à face de carême qui se glissaient comme des anguilles. Tous ces gens-là, c'était des fantômes qui vivaient dans une maison hantée. D'ailleurs, ils sont partis, alors. Mais ils vont revenir. Ah, ça m'étonnerait. Le va-et-vient des voitures depuis ce matin m'avait tout l'air d'un déménagement. Eh bien, tu vois, je ne regrette pas. D'avoir laissé partir notre bateau. Ben oui, Mordios. Pour un temps, Paris vaut bien l'Amérique. Capendo. Rocambole n'est pas gascon, mais il mérite de l'être. Il y a en lui un charme qui ne ment pas. Je t'aime. Aussi, ce soir, je vais me présenter chez lui en apportant mon idée. Tu en as une? Ben oui, qu'en ai-je, j'en ai une. Écoute, tu as pénétré dans le domaine de la belle jardinière. Là, tout se perd dans l'oubli. Mais peut-être que nous avons le moyen de te faire recouvrer la mémoire. Rocambole en a sûrement le pouvoir. Baccarat, elle dort vraiment? Mais oui. Mais c'est pas dangereux? Mais c'est vous qui avez eu cette idée. Ah bah oui, mais... Mais elle ne risque rien, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir maintenant si son esprit a gardé ce que sa mémoire a perdu. Baccarat. Baccarat, m'entends-tu? Oui, Rocambole. Mais pourquoi es-tu si loin? C'est toi qui voyages au loin. Où es-tu? Dans les bras de Capendoc. Ah, ouais. Oh, réveillez-la tout de suite. Tu es à Saint-Cloud, dans le domaine de la belle jardinière. Que vois-tu? Je vois Sir Williams. Mais non, Baccarat. Je te demande d'aller à Saint-Cloud. Si, c'est lui. Il porte sa grande robe de prêtre de Cali. Ses fidèles thugs l'entourent. Un poisson rouge le regarde. Baccarat, je t'en prie. Va au domaine de la belle jardinière. Oh. Une fumée semble monter du visage de Sir Williams. Ses yeux lancent des éclairs. Il déchire sa robe, il jette son turban. Il s'enfuit. Il court, il traverse la terre, les deux poings levés contre le ciel. Et voici qu'il vient s'abattre comme la foudre sur le seuil d'une maison. Et il ouvre la porte. Dans les bras. Elle a disparu. Qui? La belle jardinière, parbleu. La villa est fermée, vive. Qu'est-ce que vous lui faites? Nous faisons voyager son esprit à la poursuite de la belle jardinière. Et ça marche? Chut! Baccarat, oublie Sir William s'il est loin.
C'est la belle jardinière qu'il faut retrouver. Je veux que ton esprit tourne au-dessus de Paris comme le grand duc qui guette sa proie. Je la vois. Elle est dans une maison inconnue. Où ? J'avance jusqu'à la porte. Je frappe à la porte. Qu'est-ce que c'est ? C'est Baccarat qui frappe ? Non. C'est l'esprit de la belle jardinière. Ah bah alors là ! Mais non, c'est un visiteur qui cogne à notre porte, voyons. Baccarat. Bien, ai-je parlé ? Chut. Qu'avez-vous appris ? Plus tard, la foudre est tombée au seuil de notre porte. Lui ? Lui. Et que s'est-il passé ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Le diable seul le sait. Écartez-vous. Monseigneur. De quelle nuit arrivez-vous pour que je vous trouve dans cet état ? La tempête m'a emporté, Rocambole. Elle s'est jouée de moi jusqu'à me déposer sur ton rivage. Que vous est-il arrivé ? Qu'importe d'où je viens et où je vais, et le pourquoi et le comment quand je n'ai plus ni toit ni table, et que depuis des jours et des jours, j'erre solitaire et vaincu. Vous voilà tous. Eh bien, vous tous, contemplez cette nuit la fin de Sir Williams. Quand il vous suffit d'un peu de nourriture et de repos, n'avez-vous donc pas conscience de votre état ? Monseigneur, moi, dérision. Je ne peux même pas mourir devant vous. Ce monde que j'ai embelli de ma présence me rejette aujourd'hui comme un rebut. Et c'est justice. Je vous ai trop fait de mal. Où vas-tu ? Mourir. Mourir seul. Le destin n'a pas voulu que je disparaisse sans te dire adieu. Adieu, mon fils. Adieu. Reste dans ma maison. Oh. Un paria. Un maudit. Ne peut rien recevoir de toi. Il me faut poursuivre mon chemin. Jusqu'à mon dernier souffle. Tu ne pourras pas. Si. Si. Je pourrai, Rocambole. Le titan qui gravissait les plus hautes cimes pour jeter ses pierres vers le ciel. Voici qu'un torrent l'emporte et le précipite dans l'abîme. Dans le fracas de ses eaux en furie. Mais va, ma mort sera digne de moi. Et j'en ferai une victoire. Les dieux ont des crépuscules qui passent en splendeur les aurores humaines. Et c'est comme un soleil que je me coucherai. Dans la pourpre de mon sang et de ma gloire. Vers un royaume qui n'existe pas. Et je continuerai cette quête jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Naguère, chaque fois que je touchais le sol, j'y puisais une force nouvelle. Et aujourd'hui, ce même sol s'ouvre sous mes pas.
je m'enfoncerai seul dans les entrailles de la terre. Sir Williams, descendant aux enfers, seul, loin des yeux du monde, et debout. 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 Qui donc aurait le droit de vous secourir, sinon moi? Je vous en prie, restez dans ma maison. La pitié. Non. Pas ce mot. Pas ce mot entre nous. Ah, oh, mon fils, t'as rendu compte? Sir William s'obligeait d'accepter la pitié de Rocambole. Alors commandez, et je vous obéirai. Cache-moi. Cache ma misère dans ton grenier, comme la marionnette tragique qu'un sort cruel a brisée. Chaque jour, tu déposeras devant ma porte un morceau de pain et un peu d'eau, et tu respecteras ma solitude et mon attente de la mort. Alors permettez-moi une visite de temps en temps, et un peu mieux qu'un morceau de pain. Si tu veux, mon petit, mais à peine mieux, à peine mieux. Allez, viens maintenant, viens. Qui est-ce? C'est le mari de Baccarat. Je te souhaite d'être heureuse, oh Baccarat. Quel homme, Mordius, quel homme. Allons. Il ne faut pas que Sir Williams nous fasse oublier la belle jardinière. C'est vrai. Mais comment faire pour la retrouver maintenant qu'elle a disparu? Et tu n'as rien pu dire dans ton sommeil à son sujet? Alors, tous les fils sont rompus? Tous. J'ai bien vieilli, Rocambole. Je suis fatigué. Depuis que tu règnes, tu sais bien, oh mon fils dénaturé, que mes colères sont désormais impuissantes. Mais revenons à ton histoire. Toi, tu n'as pas changé, Don Quichotte. Alors? Alors quoi? Ta belle jardinière. Je vous ai tout dit. On en aura un petit peu de Bordeaux. Il est bon, ton Bordeaux. Eh bien, monseigneur, je vois avec plaisir. Au moins, vous n'avez pas perdu votre goût pour la bonne chère. Andrea, est-ce vraiment le hasard qui t'a mené cette nuit à ma porte? Peut-être l'ai-je cherché. Tu te souviens de notre première rencontre? Tu étais alors mon spectateur. Peut-être faut-il que je devienne à mon tour le tien. Peut-être. Peut-être. Je crois que je l'accepterai. J'ai perdu ma force, Rocambole, mais je n'ai rien perdu de mon génie. De cela, je ne doute pas. Ma seule humiliation serait de me sentir inutile. Si je pouvais te donner une aide quelconque, ma fierté en souffrirait moins. Pourquoi Don Quichotte ne combattra-t-il pas avec les ruses du diable? Songe, songe, mon petit. Le génie du mal au service du bien. Il n'y a que nous deux pour réussir ça. Ton œil brille à cette idée. Ah oui? Mon bon maître, dites-moi ce que vous pensez de la belle jardinière. Mon petit, j'ai peur. J'ai peur que tu ne perdes ton temps. Que tu ne te laisses abuser par quelques vains mirages. Nous le verrons bientôt. Où vas-tu? Chez le prince Volodovin. Quand tu affirmes que son hôtel est vide, fermé? Au revoir, mon bon maître. Nous reparlerons de tout cela.
jolie et seule ce soir. Pas un mot, pas un geste. Une pareille rencontre mérite d'être goûtée dans le recueillement. Voilà. Non, ami. Ami. Oui, ami de l'homme gris. Oh, madame, merci pour cet éclair dans vos jolis yeux. Grâce à lui, moi qui ne vous imaginais qu'en rêve, je ne doute plus. Que son Altesse, la princesse Nadeya, accepte l'hommage respectueux de mon salut. Vous trompez, monsieur. Est-ce le rôle d'une princesse de s'introduire la nuit dans un hôtel abandonné? Pour les lettres d'amour du prince Volodovine, quelle folie une princesse ne ferait-elle pas? Ainsi donc, l'homme gris s'acharne à ma poursuite. Et maintenant, il m'envoie ses mercenaires. Quel vilain mot. J'ai dit ami. Un ami qui voudrait savoir pourquoi vous gardez si jalousement le prince Volodovine et pourquoi vous l'effacez toute trace de celui-ci au point de vous emparer de sa correspondance. Cette curiosité n'a aucune chance d'être un jour satisfaite. C'est pourtant cette correspondance qui a intéressé l'homme gris et que je m'étais juré de lui rapporter. L'homme gris est bien fou de prendre des risques qu'il peut payer de sa vie. De sa vie? Oh, lui qui aime tant les fleurs. Vous dites? Je dis que vous et l'homme gris avez en partage une même passion, celle des fleurs. Il ne peut comprendre la mienne. Vous croyez? Regardez-la. Une orchidée des Indes. La nature a-t-elle jamais produit chef-d'œuvre semblable à celui-ci? Toute la beauté du monde s'y résume. Les fleurs sont-elles aussi les images de vos pensées? Lisez dans ma pensée, monsieur. Et respirez-en le parfum. Il est mon âme même. Il ne faut pas oublier que les fleurs sont d'abord mes servantes. Ivan, Sergueï, dans le petit salon, un autre complice de l'homme gris, je l'ai endormi. Vite. Rosgrinvol n'avait pas accepté que nous l'accompagnions. Hein? Et si pressés comme nous l'étions du résultat de sa visite, nous nous étions contentés de rester dans la voiture. Et si je ne t'avais pas connu? Et si le soleil ne s'était pas couché cette nuit? Et si, et si, et si? Une seconde. Mais je t'avais bien dit de me laisser faire. Qu'est-ce que c'est que ces chats de gouttière? On dirait qu'ils nous en veulent. Ce sont des hommes de la belle jardinière, sans doute. Capitaine, prends garde! C'est pas moi! Prends garde! Pourtant, je suis seul. Mais non, tu n'es plus seul. Comment sommes-nous ici et que faites-vous là? Tandis que nous vous attendions dans la voiture, nous avons aperçu une femme qui pénétrait discrètement dans l'hôtel Volodovine. Nous nous sommes avancés. Et par la fenêtre, nous avons tout vu. Cette femme était la belle jardinière, n'est-ce pas? Bien sûr. Et l'effet de son narcotique a été aussi foudroyant que bref. Et qu'avez-vous trouvé? Peut-être la contredanse qui suit la pavane. Que veux-tu dire? Que la correspondance du prince Volodovine est riche d'enseignements pour l'avenir. Mais c'est la belle jardinière qui l'a emporté. Ah oui, mais auparavant, j'avais eu le temps de lire. Alors, qu'y avait-il dans cette lettre? Mais oui, qu'y avait-il? Avez-vous vu la lune? Elle brille sur les toits de Paris, qui sont la mer immense dont les marins sont les chats. Rocambole! Réponds-nous! La belle jardinière a voulu s'emparer des lettres de Volodovine. Pourquoi? Voilà la question. Si seulement nous avions pu attraper l'un des hommes en cagoule. Je le tenais. Il m'a glissé entre les doigts comme une anguille.
n'est pas sûr que nous ayons à le regretter. Mais pourquoi? C'était enfin la vraie lutte. Vous êtes donc si impatient de la connaître? Ah, Rocambole, je me sens égaré dans un siècle qui n'est pas fait pour moi. Oh. C'est pourquoi je rêve de l'Amérique. Là, sans doute, je serai plus à mon aise. Je vous demande d'attendre encore un peu. Sachez qu'à partir des lettres de Volodovine, la belle jardinière prépare sans doute quelque action nouvelle. Et qui avait-il donc dans ces lettres? Qu'avez-vous besoin de le savoir cette nuit? Allez à l'essentiel et tirez la conclusion qui s'impose. Nous ne connaissions même pas la belle jardinière. Maintenant, nous la connaissons. Nous n'étions même pas certains que la belle jardinière retenait Volodovine. Maintenant, nous ne pouvons plus en douter, puisqu'elle a voulu, en s'emparant de sa correspondance, faire disparaître toute trace. Conclusion. Sir William s'est trompé. Il prétendait que la belle jardinière était une invention de ton esprit. Il aurait perdu même son génie. Peut-être. Pauvre Sir Williams. Crois-tu? Que faites-vous là, monseigneur? Je me sentais un peu mieux. Je suis descendu à la recherche d'un livre. William Blake, Le mariage du ciel et de l'enfer. Passionnant. Le chemin de l'excès conduit à la sagesse. Pourquoi ne pas nous accueillir à notre arrivée? Je m'étais assoupi. Avec un livre passionnant. Ce doux confort enfin retrouvé m'a tourné la tête. Alors, mon petit, il paraît que je me suis trompé. Cette nuit, j'ai rencontré la belle jardinière. Elle avait l'air particulièrement vivante. Et où l'as-tu rencontrée? Chez le prince Volodovine. Et tu l'as reconnue? Bien sûr. Tu l'avais donc déjà vue? Oui, dans son domaine. Et de cette visite-là, tu n'as gardé aucun souvenir? J'en ai gardé le rêve. C'est bien ce que je voulais dire. Tu n'as pas pu reconnaître cette nuit la belle jardinière, puisqu'auparavant, tu ne l'avais jamais vue. Qu'importe. Elle m'a avoué son nom. Oh, elle te l'a avoué? Son trouble avait l'éloquence d'un aveu. Rien n'est plus menteur que le trouble d'une jolie femme. Si les brosions d'amande que j'ai vus cette nuit n'étaient pas ceux de la belle jardinière, à qui serait-il donc? Peut-être à quelque élégante rôdeuse que la nuit rend à la fois plus belle et plus adroite. J'en ai connu à Londres qui cueillait ainsi dans les vieilles demeures pour un temps déserte de magnifiques colliers d'étoiles. Enfin, nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons même été poursuivis par deux hommes en cagoule. En cagoule? Justement. Des oiseaux de nuit en quête de vers luisants. Les perles sont des vers luisants. Admirable démonstration. Mais mon petit, écoute. Par bonté d'âme, je veux bien croire que tu as vu cette nuit la belle jardinière. Mais cela ne change rien à l'affaire. Là où il n'y a qu'une comédie de bal masqué, tu veux y voir une tragédie. Tu lances ton attaque alors que tu n'as devant toi qu'un ridicule, qu'un tout petit moulin à vent pour Don Quichotte débutant. S'il en était ainsi, comment expliqueriez-vous l'histoire? Comme une simple et belle histoire d'amour. Avec quelques mystères, bien sûr, parce que l'amour sans mystère paraîtrait bien fade aux jeunes gens de notre époque. C'est ainsi que lorsque tu es allé, toi et Baccarat, déranger ces amoureux à Saint-Cloud, vous vous êtes retrouvés le lendemain matin ayant perdu la mémoire, tout simplement, parce que la belle jardinière cultive chez elle une variété de pavots ou de mescal ou de lin et qu'elle n'aime pas les indiscrets. Ainsi donc, d'après vous, les pouvoirs mystérieux de la belle jardinière ne seraient que des armes défensives bien anodines et conçues par un esprit non pas dangereux, mais tout simplement amoureux d'insolite et de fantaisie. Mais bien sûr, vous harcelez une innocente pieuvre. Cette pieuvre se défend en jetant sa nuit autour d'elle. Quoi de plus naturel? Il est naturel d'emmener les indiscrets dans un corbillard. Ah! Un corbillard. Vous avez vu un corbillard dans l'état où vous étiez? Mais si la belle jardinière était le monstre que vous semblez croire. Mais elle aurait eu mille fois l'occasion de se débarrasser définitivement de vous. L'a-t-elle fait? Non, alors. Le corbillard ne fut dans votre cerveau en feu que le souvenir d'un cauchemar. Voilà tout. Croyez-moi, il n'y a pas dans tout cela de quoi fouetter un chat, même un chat russe. Bravo, mon bon maître. Vous m'avez presque convaincu. Presque. Alors, je te dirai un dernier mot. Tu veux voir un sombre drame dans le comportement de la belle jardinière parce que tu penses qu'elle est une créature de Potoniev. Exact? Exact. Enlève Potoniev de la coulisse. Que reste-t-il de tes soupçons? Rien. Et quelle preuve as-tu que Potoniev se tienne dans la coulisse? Aucune. Voilà, c'est tout. Bonsoir. Un instant. Il y a les lettres. Quelles lettres? Celles du prince Volodovine que la belle jardinière est venue chercher cette nuit. Et tu te demandes pourquoi?
Mais peut-être parce que le couple avait projeté d'aller faire un petit voyage du côté de Venise, par exemple, et le prince a voulu emporter ses lettres d'amour. Oui, alors pourquoi le prince n'est-il pas venu les chercher lui-même? Es-tu entré dans sa chambre? Non. Ah, tu aurais dû. Il y était, peut-être. Oui. Ah, pourquoi ne se cacherait-il pas chez lui en faisant courir le bruit qu'il a disparu? N'est-ce pas le meilleur moyen de n'être pas importuné? Ah, je te sens, mon petit. C'est Volodovine qui t'intéresse surtout. Évidemment, oui. Oui. Et si tu le voyais de tes propres yeux, que tu lui parles et qu'il te réponde, tous tes soupçons s'envoleraient. Sans doute. Eh bien, si j'étais à ta place, j'irais frapper demain à la porte du prince Volodovine. C'est peut-être lui qui t'ouvrira. Qui sait? Ah ah. Est-ce que j'aurais trouvé meilleur brouilleur de cartes que moi? Mais pourquoi Sir William s'est-il dit si tu voyais le prince Volodovine? Je te répète qu'il n'en sait rien lui-même. C'est une phrase en l'air pour nous convaincre. Et toi, tu la prends au pied de la lettre. Alors d'après toi, je fais une sottise. Oui. Et tu me suis quand même? Oui. Pourquoi? Parce que je partage même tes sottises. Salut Merle, quoi de neuf? C'est moi qui vous le demande. Depuis deux jours, Mourax, Mord et Brave et moi, nous tournons comme des lions en cage, en attendant un signe de vous. Il va venir, ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas longtemps, ce gribouillard. À propos, vous savez que maintenant j'ai un aide? Et pas n'importe qui, un ancien chef de service du ministère des Affaires étrangères. Ah. Et Mourax a engagé monsieur de Beaupréau comme directeur commercial. Monsieur de Beaupréau? Tiens, je l'avais complètement oublié, celui-là. Voyez, au fond, c'est un brave homme. Alors, maître, dites-moi, la belle jardinière. Bien, dois-je te l'avouer, Marmousée, je tourne en rond. Vous? Oui. J'en suis à me demander si ce que je vois à Paris a un rapport quelconque avec ce que j'ai appris à Moscou. Cette histoire est si étrange. Rêve et réalité s'y mêlent sans que l'on sache très bien où l'une commence et où l'autre finit. Maître, pour rêver, il faut dormir. Je dors peut-être encore. Oui, alors dans ce cas-là, pas de souci. Vous allez avoir un réveil terrible. Oui, j'en ai peur, Marmousée. J'en ai peur. Regarde, les volets sont ouverts. Qu'est-ce que ça prouve? Non. Attends-moi là. Compris? Compris. Je veille à monseigneur et maître. Mais si monseigneur et maître se fait trop attendre. Je suis le baron Capendoc de Cardagnac. Je désire voir son Altesse le prince Volodovine. Je ne crois pas que cela sera possible, monsieur. Pourquoi? Son Altesse est absente? Non, son Altesse est chez elle. Ici, vraiment? Et pourquoi n'y serait-elle pas? Ah oui, pourquoi? Bon, dans ce cas, lancez-moi. Son Altesse est rentrée cette nuit d'un très long voyage. Elle est très fatiguée. Ma visite est de la plus haute importance. Je ne voudrais pas réveiller son Altesse. Le prince dormirait encore à cette heure-ci? Si monsieur a fait le voyage qu'a fait son Altesse. Enfin, monsieur, je vais voir. Marmousée, tu me sauves la vie. Oh, maître, tout de même pas. Si, si. Et n'oublie pas ce que tu viens de m'apprendre. File.
Je porte de ce pas votre salut à Mourac, c'est mort des braves. Oui, dis-leur que le moment approche. Le grand matin. Une petite lumière m'est revenue, comme une étoile scintillante qui se cachait dans les papiers du prince Volodovine. Petite lumière dont je ferai une grande clarté. Maître, je cours. Rocambole, tu es l'homme qui plie l'événement comme un vulgaire brin d'osier et qui parie sur l'impossible. Alors pourquoi ce doute tout à l'heure? Serait-ce à cause de Sir Williams? Sir Williams ne te pardonne pas de combattre pour une autre cause que la sienne. Il a perdu sa force, mais non pas son génie. Et peut-être n'est-il venu jusqu'à toi que dans ce but. T'abattre en te faisant douter de toi. Rocambole! Rocambole, nous l'avons retrouvé! L'instinct de Sir Williams a deviné juste. Vous avez retrouvé Volodovine, c'est cela? Oui. Macara et moi, nous passions devant son hôtel, les volets étaient ouverts. Capendoc a voulu frapper, un valet l'a introduit. Vous l'avez vu, vous lui avez parlé? Il m'a reçu allongé sur son lit. Il semblait à bout de force. Sa voix résonnait étrangement dans la pénombre de la chambre. Il paraissait obsédé par un étrange voyage qu'il venait de faire tout au long de la nuit. D'une longue nuit, répétait-il sans cesse. Il m'a parlé des arbres qui agitaient leurs hautes branches comme des bras de démons en colère. De la campagne sous la lune et sous le vent. Du galop d'un cheval noir qui hennissait en secouant sa crinière dans les étoiles. Capendoc n'a pas voulu insister. Mais il n'y a même plus de mystère. Rocambole, l'aventure est terminée. Mais le rideau tombe avant l'heure. C'est bien inutilement que nous avons manqué notre départ pour l'Amérique. Mais je ne le regrette pas, monsieur. Vous connaître est un avantage trop précieux. Et si tu retrouvais Volodovine, que tu lui parles, qu'il te réponde? Pourquoi répètes-tu les mots de Sir Williams? Si ce n'était pas par intuition que Sir Williams a connu la vérité. S'il avait intérêt à ce que nous retrouvions Volodovine. Mais quel intérêt pourrait-il avoir? C'est ce que je veux découvrir. Et où va-t-il? Capendoc, il est possible que tout ne soit pas terminé. C'est à devenir fou. Sir Williams a disparu. Comment? Je veux voir moi-même le prince Volodovine. Attendez-moi. Bonjour, mon petit. Tu fais comme moi, tu te promènes. Qu'est-ce que tu fais ici? Et d'où viens-tu? Ne me parle pas si durement. Est-ce ainsi que l'on doit traiter son vieux père malade? Tu ne veux pas me répondre? Mais je t'ai déjà répondu. Ce soleil m'a tenté et j'ai trouvé la force de venir m'y réchauffer. Quand hier encore, tu parlais de mourir. Tes bons soins ont opéré ce miracle. Mes bons soins? Vraiment? Tu en doutes? Non. Et si les progrès persistent, je sens que je vais retrouver le Sir Williams de naguère. Oh, bon. Ne me donne pas un si fol espoir. Quand tu as su conserver intact ton génie divinatoire. Volodovine? Tu l'as vu? Capendoc l'a vu. Et ils ont eu ensemble une conversation édifiante. Édifiante? Oui. Car elle prouve qu'il n'y a pas de mystère de ma belle jardinière. Oh. Oh, mon petit, comme je suis content. Tu te montrais tellement convaincu que j'avais fini par douter de moi-même. Mais enfin te voilà rassuré et l'esprit libre. Mais dis donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as perdu ton moulin à vent? Tout de même vérifier ce qu'a vu Capendoc. Rentre vite. Et à bientôt. Thank you.
Je suis sûr que monsieur cherche un oiseau des îles. Non, l'oiseau que je cherche, c'est celui qui habite en face. Ah, le grand-duc. C'est un prince. Non, je sais, pour moi, c'est un grand-duc. Et il s'est envolé. Ah oui, ça fait au moins 3 ou 4 jours. Même les pies se sont envolés. Les pies? Les domestiques, oui. Au lendemain du départ du prince, ils ont reçu par la poste leur gage et leur congé. Et ce matin, il ne s'est rien passé? Si, des corbeaux sont venus. Ils ont ouvert l'hôtel, et puis un faucon est arrivé, il est entré, puis la partie. Alors les corbeaux ont refermé l'hôtel. Ils sont partis à leur tour. Et voilà. Alors, vous seriez venu 5 minutes plus tôt, vous les auriez vus avec leur corbillard. Comment, ils avaient un corbillard? Mais voyons, monsieur, si j'ai parlé de corbeaux, c'est parce qu'il y avait un corbillard. Une mystification. C'est une mystification. Sambleu! L'intelligence est une belle chose, monsieur. Mais point trop d'en faux. L'Amérique a surtout besoin de bras. Je voulais parler du cœur. Cela dit, je salue. Votre génie est sans défaut. De vous non plus, je ne perdrai pas mémoire. Ouf. Pourtant, vous n'aurez connu qu'un Sir Williams déchu. Évidemment. Tu n'as pas connu le Sir Williams magnifique. Celui qui me faisait passer pour folle. Qui me faisait enfermer dans la cage aux fauves des arènes antiques. Mmh. Erreur de jeunesse. Ah, si j'avais encore la force. Et que ferais-tu si tu en avais encore la force? Mon bon maître, tu ne réponds pas à ma question. Tu sais pourtant d'où je viens? Tu as vu le prince? L'hôtel Volodovine est à nouveau désert et aussi clos qu'une prison. Mais c'est pas possible, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Vous n'avez vu que ce que vous avez cru voir? Oh, tout de même, rocambole. Capitaine Doc, l'homme qui vous a reçu n'était qu'un homme à mi-chemin entre la vie et la mort. Oui. Le cœur de Volodovine battait silencieusement dans cette région mystérieuse où l'on est aussi bien un mort en survie qu'un vivant retenu par les mains froides de la mort. Et qui peut dire d'où venait la voix qui sortait de ses lèvres? Voilà la marque indubitable des pouvoirs diaboliques de Potoniev. Et du même coup la preuve que la belle jardinière est bien sa créature. Reste à savoir qui a conçu cette horrible farce et pourquoi. Monseigneur, ne pourrais-tu pas nous le dire? Tu penses que je peux te donner la clé du mystère, c'est ça? Oui, je le pense. Hélas. 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 Sir Williams est mort, Rocambole. Tu n'as plus devant toi qu'une marionnette vidée de son âme. Sir Williams a cru qu'il n'avait perdu que sa force et qu'il gardait encore cet instinct de sorcier qui le faisait voler vers les plus grandes aventures. Illusion. Illusion. La belle jardinière est la gardienne d'un royaume digne de toutes tes conquêtes. Et je n'ai pas su le voir. Moi. Oh, ma nerveuse et souple intelligence. Où êtes-vous? Vous vous êtes enfui. Et vous, ma lucidité de cristal, vous êtes devenue une nuit sans étoiles. Faudrait-il croire qu'il s'est trompé? C'est une affaire entre lui et moi. Si seulement nous pouvions retrouver la belle jardinière. Oui. Mais où?
Tout est en ordre. C'est bien. Madame, pourquoi me regardez-vous ainsi? Un envoyé du club des asperges a vu le prince Volodovine dans son hôtel. Il lui a parlé, le prince a répondu. Parfait. Mais pour quel résultat? Je crois que notre maître a quelque intention cachée que nous devons respecter sans la connaître. Oui. Calmer les soupçons de l'homme gris. Alors que nous ne devrions nous soucier que de nous emparer de lui. Il se multiplie. Il nous entoure d'une invisible et mystérieuse menace. Par quel sortilège l'un de ses complices a-t-il réussi à m'échapper la nuit dernière? Un homme qui a osé ce qu'il a osé ne doit plus voir le jour. Nadeya, ma petite Nadeya bien-aimée, il ne faut pas laisser la haine régner sur ton cœur. Madame, ne cherchez pas ici quelque conduit secret semblable à ceux de Saint-Cloud. La voix humaine est une pensée vivante, et la pensée vole à travers les murs. Prince, pourquoi ne pas jeter tous nos efforts dans la poursuite de l'homme gris? Parce que demain, il ne pourra plus rien contre nous. Les grands secrets que j'ai pourchassent depuis des années, je suis prêt de l'atteindre. Ainsi, nous pouvons accomplir notre œuvre en toute sérénité. Tu sais ce que cela signifie, Artok? Que votre Altesse se rassure. J'ai lu la lettre du prince Volodovine. Je connais le plan de notre action. Aujourd'hui même. Et ensuite, Nadeya. Prince. Ma haine de l'homme gris ne m'empêchera pas de satisfaire à vos désirs. Art et transport funéraire de Belleville. Et voilà. C'est le dernier? C'est le dernier. Et nous n'avons toujours pas retrouvé le corbillard fantôme. C'est à en perdre la tête. Tant que nous ne la perdons pas véritablement. Potaniev n'a pas que le pouvoir d'ôter la mémoire. Comment crois-tu que Volodovine a parlé à Kapendok hier? Sinon par la volonté de Potaniev. Une volonté commandée à distance? Peut-être. Et si Potaniev agit à distance, nous pouvons être nous-mêmes manœuvrés? Voilà un combat à ma mesure. La force de mon ennemi fait ma propre force. Et Sir Williams? Je suis monté le voir ce matin, il ne m'a pas dit un seul mot. Il pleurait. Des larmes de crocodile. Je voudrais bien en être sûr. Et pourquoi ne serait-il pas Potaniev comme il a été George Stowe? Cette fois, ce serait trop simple. Vakar à l'heure n'est plus aux questions, il faut agir. Quand nous avons perdu le corbillard fantôme qui était notre seule piste. Non, pas la seule. Il nous reste Ilin. Ilin? De quel sac à malice sort-tu ce nouveau personnage? Parmi les lettres que j'ai pu lire chez le prince Volodovine, il y en avait une d'un certain Fedor Fyodorovitch Ilin. Il annonçait sa venue prochaine. Suivait un texte assez obscur, rédigé en code, sans doute. S'il faut en croire l'intérêt porté par la belle jardinière à ses lettres, Ilin, c'est le nom de la prochaine danse. Le classement, Marmouset. L'art du classement. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, grand A, grand B, grand C, petit A, petit B, petit C. Tout est là. C'est comme ça que vous faisiez au ministère? Ah non. Quand j'étais chef de service au ministère, j'avais un secrétaire qui classait à ma place. Heureux temps. Enfin, j'ai un habit décent, un gentil compagnon de travail qui ne m'appelle plus Pépère. J'ai pas le droit de me plaindre. Bon, je vais ranger ces dossiers aux archives. S'il continue comme ça, je vais finir par l'appeler monsieur. Viens me voir demain, j'aurai peut-être du nouveau. Monsieur Morax, je vous prie. Ah, bah voici, monsieur Morax. Monsieur, je désire acheter un petit hôtel élégant dans quelques quartiers à la mode. L'affaire est urgente. Vous permettez? J'aimerais traiter aujourd'hui. Le faubourg Saint-Germain vous convient-il? Parfaitement. En ce cas, j'ai peut-être votre affaire. Vous pouvez visiter immédiatement si vous le désirez. Bien, allons-y.
J'ai ma voiture devant la porte, je peux vous y conduire. Je vous rejoins dans un instant. Eh bien, pourquoi cet œil? C'est lui. Lui? Le jour où je suis allé à Saint-Cloud, en arrivant, j'ai croisé un fiacre qui sortait de la villa. Et dans le fiacre, lui. Tu es sûr qu'il sortait de la villa Belle Jardinière? Et comme tu disais si bien dans le bon vieux temps, il y en a là-dedans. Hein. Il faut prévenir le maître immédiatement. De quoi faut-il prévenir Rocambole? Monsieur de Beaupréau, ça ne sont pas tout à fait vos affaires. Ah oui. Oui, ici on me fait confiance, mais un peu seulement. Cela vous ferait donc plaisir d'être notre messager? C'est cela. Le messager n'a pas d'autre importance que celle du message. De ce message dépend peut-être la vie et la liberté de bien des hommes. Alors, je ne suis pas digne de le faire. Si, vous le porterez, monsieur de Beaupréau. Monsieur Mourax, je ne l'oublierai pas. Écoutez, voici le message. Le nouveau laquais du prétendu Major Avatar? Chut, faut pas le dire. Quoi? Que vous êtes le nouveau laquais? Non, que le Major Avatar n'est pas le Major Avatar. C'est un secret. Je sais, oui. Vous le connaissez depuis longtemps? Moi, ça remonte au temps où j'étais ébéniste. C'est drôle, il me semble vous avoir aperçu devant la menuiserie. Quelle menuiserie? Celle de Léon. Léon Roland. Vous savez, celui qui a épousé Mademoiselle Cerise. Cerise? Oui. Oui, parfaitement. Mais le passé est mort pour moi. Où est votre maître? Le monsieur n'est pas là. Mais il ne va sûrement pas tarder. Si vous voulez l'attendre. Merci. Oui. Le passé est bien mort. Monsieur de Beaupréau. Est-ce vous que je vois? Sir Williams, ici. Rocambole vous a donc recueilli, vous aussi? Mais ce n'est plus Don Quichotte, c'est Saint-Vincent de Paul. Recueilli? Pourquoi recueilli? Je viens voir le Major Avatar. Ah, vous êtes en visite. Oui. Et vous-même, que faites-vous en ces lieux? J'y habite. Vous y habitez? Ça vous surprend. Moi aussi. Je suis content de vous voir, monsieur de Beaupréau. Lorsque je vous contemple, remonte dans ma mémoire hissés comme des drapeaux déchirés, des lambeaux de ma splendeur passée. Je n'ai pas conservé de vous le même souvenir. Ah, vous avez tort. Oh. Oh, que j'ai mal. Qu'avez-vous? Je suis un vieil homme malade, monsieur de Beaupréau. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous quitté? Pour vous fuir. Vous voyez ce que je suis devenu sans vous. Sans moi? Après votre départ, la mauvaise tempête est venue. Si le sort vous a été contraire, faites comme moi. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Bien répondu, monsieur de Beaupréau. J'avais rêvé d'organiser cette petite rencontre. Le hasard m'a devancé, tant pis. Je jouirai quand même du spectacle. Le roi a retrouvé son bouffon. Je ne suis plus le bouffon de personne. En effet, on serait tenté de le croire, monsieur de Beaupréau. Et j'en suis heureux. Que me vaut le plaisir de votre visite? Je vous apporte une nouvelle. J'ai retrouvé la trace de la belle jardinière. Mais enfin, ce n'est pas moi, c'est monsieur Mourax. Il a reçu tout à fait incidemment un noble russe que mort des braves... Pardonnez-moi. Une affaire urgente, je vous laisse. Je vous accompagne? Non, inutile. J'ai troublé votre entretien avec Sir Williams. Je m'en voudrais qu'à cause de moi, il ne s'acheva point. Monsieur de Beaupréau, vous avez des secrets avec Rocambole. Vous!
C'est là. L'affaire est terminée? Depuis une heure. Bah, d'autant plus vite que l'hôtel était avant de meubler. Quel nom l'acheteur t'a-t-il donné? Le comte Artoff. N'a même pas pris la peine de changer son nom. C'est bien lui? Oui. Tu vois que ma tête est encore solide. Et maintenant? Il n'y a plus qu'à attendre que les nouveaux propriétaires s'installent. Et si c'était la belle jardinière? Un jour, j'avais besoin de la visite de Milady. J'ai claqué dans mes doigts et Milady est apparue. Commencez pour voir si ça marche encore. C'est elle? Eh oui. Ça alors! Rentrez maintenant. Madame, je vous présente mes respectueux hommages. Ainsi, la campagne ne vous suffit plus. Et vous venez habiter à deux pas du Faubourg Saint-Germain. Pourquoi l'homme gris m'envoie-t-il encore son valet? Va-t-il plus se montrer lui-même? Il est des valets dignes de leur maître, et des maîtres dignes de leur valet. Pas à mon sens. Regrettez-vous à ce point de ne plus voir mon maître? Il en sera charmé, madame. Comment pouvez-vous préjuger des sentiments de votre maître? Je le connais si bien. Voulez-vous qu'il vous rende visite à votre hôtel? Ici? Seul? Ici, seul. Obtenez-moi cela et votre fortune est faite. Elle est déjà faite, madame. Et je vous l'obtiendrai pour l'amour de l'art. Ce soir, minuit? Ce soir, minuit. Et n'oubliez pas, seul, vous aussi. Comme pour un rendez-vous d'amour. Les déserts, la pluie, le soleil, le vent. Tu y penses, Captain Doc. Tu ne cesses pas d'y penser. N'en veux pas, Baccarat. Et l'Amérique, c'était notre aventure. Et j'y tiens, tu comprends? Il faut y tenir. Et notre aventure, nous la vivons déjà. Nous y voilà. La mystérieuse belle jardinière, Volodovine, disparue, réapparue, aussitôt volatilisée. Le mystère du corbillard. Et nous deux perdus au milieu de tant de mystères. Tu te décourages juste au moment où tout va se jouer. Mais sais-tu que la belle jardinière n'est pas tout? Ah! Au-delà, il y a Potonieff. Et c'est lui que Rocambole veut atteindre. Très bien. Mais serait-il trop indiscret de te demander comment il compte y parvenir? Eline. Eline? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Eline? Le prince Eline. Tu as oublié ce que Rocambole a lu dans la correspondance de Volodovine. Un certain prince Iline arrive ce soir à Moscou. Ah. Et logiquement, il doit disparaître demain. Exactement. Tu es merveilleux, Captain Doc, tu as tout compris. Donc, nous devons rencontrer le prince Iline avant la belle jardinière. Et ce sera d'autant plus simple qu'aucun de nous ne le connaît. Pas même Rocambole. Non. Et alors? Alors, écoutez-moi. Rocambole, tu as un plan. Presque. Je le sens naître en moi. Je veux l'achever en votre compagnie. Captain Doc. Rocambole. Quel est le premier acte d'un noble russe débarquant à Paris? Iline, est-il un habit de Volodovine? C'est pas bête, ça, Captain Doc. Mais le premier acte d'Iline ne sera pas d'aller à l'hôtel Volodovine. Alors, quel sera-t-il? Voyons, réfléchissez. Ne vivez-vous que d'amour et d'eau fraîche. L'argent. Mais bien sûr. Dès l'aube demain, Iline courra à la banque de Moscou pour y encaisser ses lettres de crédit. Donc? Il suffira de le guetter à la banque. Nous ferons mieux encore. Que diriez-vous d'offrir à la belle jardinière un faux prince Iline? Un faux? Oui, un homme à nous, qui sera l'hameçon ou mordra le requin Potonieff. Encore faudrait-il que Potonieff et la belle jardinière ne connaissent pas le vrai prince Iline. Mais qu'ils le connaissent ou non ne change rien à l'affaire. Que les envoyés de Potonieff s'intéressent au vrai ou au faux Iline ne nous empêchera pas de nous occuper d'eux. Oui, car tu supposes que Potonieff enverra ses hommes à la banque. Ah, je ne le suppose pas. J'en suis sûr. Et pourquoi? Mais imaginez que je fasse savoir à Potonieff que je vais enlever Iline. Que fait-il? Il envoie lui aussi ses hommes pour apprécier la situation, non? Oui, mais comment informer Potonieff? Par la belle jardinière, parbleu. C'est le chemin le plus direct. Et il me plaît de me servir d'elle pour réussir notre entreprise.
Ah, c'est vrai. Vous seul ignorez encore que j'ai retrouvé la belle jardinière et que j'ai rendez-vous avec elle ce soir, à minuit. Je n'ai même pas eu besoin d'un tapissier. J'espère que votre Altesse sera satisfaite. Oui, Artoff. Mais perdez ici l'habitude de m'appeler Altesse. En ces lieux, je ne suis que la comtesse Porovna. Bien. J'attendrai l'homme gris dans ce petit salon. Quant à vous, suivez-moi. Avec Ivan, Sergueï, Fedor et Dmitri, vous vous tiendrez dans la chambre du premier étage. Dès que vous entendrez le signal. Un coup de pistolet. Oui. Vous vous précipiterez. Mais n'oubliez pas. Je veux l'homme gris vivant. Et entre mes mains comme un jouet. Il ne viendra pas. Venir serait de sa part une folie. Avec lui, c'est ce qui est fou qui a le plus de chance d'être vrai. Il viendra. Et si pourtant il ne venait pas? Une voix secrète me souffle qu'il viendra. Ici les fondations de l'ancien mur d'enceinte de Philippe Auguste. Et ceci? Probablement quelques communications entre les égouts et l'hôtel, qui n'a pu être bouché à cause de Philippe Auguste. Ah. Eh, très bien. Très bien, très bien. Alors? Non, mes amis, ce soir, je n'aurai besoin de personne. Mais demain, il me faudrait un prince russe. Un prince? Russe? Monsieur de Beaupréau, Artoff vous a-t-il aperçu lorsqu'il est venu voir Mourax? Ah non? Ah non, je n'ai jamais rencontré ce monsieur Artoff. Non, j'étais dans le bureau voisin lorsqu'il est venu ici. Eh bien, c'est parfait. Vous voilà prince. Moi? Oui, avec l'hôtel, laquais, bras de soie, plage à la Daumont. Ah bon? Ah bon, bon. Cependant, monsieur de Beaupréau, le faux prince Céline que vous serez court plus de risques que le vrai, qui cependant ne devrait pas dormir tranquille. Ah. Je dois donc vous informer de ce qui vous attend. Et si vous refusez, je ne vous en voudrai pas. Mais j'accepte. Me donnez-vous votre confiance? Bien sûr, mais... Il est inutile que je sache ce qui m'attend. Monsieur de Beaupréau, vous achevez aujourd'hui sur vous-même la victoire que vous avez remportée hier sur Sir Williams. Je ne crois pas que l'heure est enfin venue de parler à cœur ouvert. Tu ne respectes pas nos conventions, Monty. Pourquoi viens-tu me troubler en pleine nuit? Je ne pensais pas que tu serais encore là. Quand chaque heure qui passe me rapproche un peu plus de la mort. Monseigneur, cessez cette comédie. N'essayez même plus de donner le change. Cette comédie nous protège, rocambole. Elle nous protège contre nous-mêmes. Tu veux me poser des questions auxquelles je ne peux répondre. Laisse-moi, mon petit. J'ai bien sommeil, tu sais. J'ai rendez-vous ce soir à minuit avec la belle jardinière. J'ai voulu te voir avant d'y aller. N'y va pas. Parce que je découvrirai son secret? Parce qu'elle te prépare une souricière et que tu y tombes. Sur ton conseil? Si c'était sur mon conseil, je ne t'en avertirais pas. Alors, comment sais-tu ce qu'elle prépare? Oh, mon petit, s'il me reste un espoir de ne pas avoir totalement perdu mon intuition de naguère, pourquoi veux-tu me l'enlever? Adieu. Rocambole. Rocambole, ta bonne étoile t'a toujours sauvé, mais cette fois, tu tentes le diable lui-même. À la bonne heure. Ah, ce sentiment de mon impuissance, quand je sais que tu vas te perdre. Mon bon maître, pourquoi essayer de sauver un disciple qui n'est même pas digne de vous? Pourquoi m'en regardes-tu ainsi? Parce que je ne te reverrai peut-être plus. Bonsoir, monseigneur.
faites-vous là? Je vous ai dit d'attendre là-haut. Si l'homme gris avait dû venir, il eût été là au 12e coup. Cette affaire me concerne seule. Contentez-vous d'obéir. Pardonnez-moi. Surtout, n'allumez aucune lumière. Je veux que dans cet hôtel brille seulement la petite lampe que j'ai posée moi-même près de la fenêtre du salon. Vous et vos hommes seraient bien le moment venu jaillir de la nuit. Allez. J'étais là au 12e coup de minuit. C'est vous qui n'y étiez pas. M'étais assuré qu'aucune présence ne nous troublerait. Ainsi donc, nous parlerons à l'aise. Tout à fait à l'aise. Eh bien donc, madame, je vous salue. Vous. Un partisan de Kouzmik. Un mercenaire. Erreur, madame. Erreur. Je suis Rocambole. Rocambole? Oui, madame. Pour vous servir, si vous le voulez bien. Ne suis-je pas venu à un rendez-vous d'amour? Ainsi donc, l'homme gris n'agit que pour son propre compte? Mais alors pourquoi? Pourquoi cette lutte absurde contre nous? Parce que la puissance d'un prince Potoniev doit être détruite. Ne croyez-vous pas qu'il faut être fou pour prétendre y réussir? Si vous pouviez lire en moi, vous estimeriez ma prétention raisonnable. Vous auriez pourtant mérité d'être sauvé. Moins que vous, madame. Je voudrais vous épargner la chute. Dès demain, l'orage éclatera au-dessus de votre beau visage. Décidément, une assurance aussi folle que la vôtre n'est pas digne de mon attention. Vous avez tort. Vous espérez rencontrer demain le prince Iline qui arrive cette nuit à Paris. Votre espoir sera déçu. Et pourquoi donc? Parce que je l'enlèverai. Où comptez-vous l'enlever? Chez lui? Non. Je sais qu'il doit se rendre demain matin à la banque de Moscou. C'est là que commencera le déclin inexorable du prince au regard de feu et de la lointaine descendante de Genghis Khan. Madame, aidez-moi à vous sauver. Le prince Potoniev abuse vos jolis yeux avec le mirage d'un trône qui ne vous est pas nécessaire. Aidez-moi à vous sauver. S'il était vrai que je dois être sauvé par vous, pourquoi voudriez-vous que je vous aide? Parce qu'un jour, vous m'aimerez. Cette fois, monsieur, vous allez trop loin. J'ai désamorcé le pistolet à mon arrivée. Vous n'avez pas eu la précaution de l'emporter tout à l'heure, quand vous avez quitté ce salon. Madame, voulez-vous avoir l'obligeance de vous détourner quelques secondes? Obéissez, je vous prie. Ces lames d'acier ne déchirent pas le silence. Lorsqu'on achète un hôtel à Paris, il est bon de se renseigner sur son histoire. N'oubliez pas, vous m'aimerez. Que votre princesse m'excuse, le portier ne prendra son service qu'à midi. Mais allez, mon ami, allez. C'est pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Parfaitement. Le major Avatar, accompagné d'une dame, demande à voir votre Altesse. Oui, oui, faites entrer. Bien. Eh bien, comment trouvez-vous le résultat? Très bien. Mais si vous parvenez à vous tenir droit... Ah oui. Comme ça? Parfait. Et avec dans le sourire et le regard un rien de morgue supplémentaire. Voilà, très bien, parfait. Quant à l'accent? Alors, ça c'est très facile. Oui, quand j'étais au ministère, j'ai fréquenté beaucoup de Russes. Je connais même quelques mots. Niet, da. Monsieur de Beaupré, vous serez un prince, Iline, tout à fait remarquable. Je vous remercie. Vous serez la figure de proue à l'assaut de la tempête.
Nous vous suivrons à la trace. Et vous nous conduirez jusqu'au repère où se cache l'armée sans visage et son chef, le prince au regard de feu. Hartog, deux mots encore. Ne l'oubliez pas, en aucun cas je ne veux la moindre violence. Je suis mal satisfait de vous, Hartog. Prince très puissant et très sage, si j'ai eu le malheur de vous déplaire, n'accusez que ma maladresse. Pourtant, l'homme Green... Depuis que Nadeya vit loin de moi, elle ne maîtrise plus ses sentiments. Orgueil, blessé, désir de vengeance, dépit, haine sont pourtant inutiles. Nous n'avons nul besoin de violence. La sérénité est notre force. Si vous gardiez les yeux fixés sur les buts à atteindre, vous ne l'oublieriez pas. Mais l'homme Gris... L'homme Gris ne compte pas. Que pourra-t-il demain contre la puissance qui sortira d'une simple fiole de verre? Et pourtant, il est venu lui-même dire à la princesse qu'il enlèverait Eileen. Pourquoi? L'homme Gris est une chenille qui se croit déjà papillon. Et si pourtant il venait à la banque? Lève-la. Aïe. Peut-être qu'il n'osera pas l'andouille. Oh, si le maître lui fait confiance. Tu vois, décidément, je vais bientôt l'appeler monsieur. Le prince Eileen. Mais parfaitement, le prince Eileen. J'ai une lettre de crédit sur votre banque. Vous arrivez de Moscou? Moscou, oui, Moscou. Alors, il me faudrait votre passeport. Oui, mais inutile pour l'instant. Il s'agit d'une somme très importante. Alors, il nous faudra un délai de 2 heures pour la réunir. Mais je sais. Je voulais simplement vous avertir. Je repasserai en début d'après-midi. Pour le prince Eileen, n'est-ce pas? Le prince Eileen. N'attendez pas, Volodovine, je viens à sa place. Qui êtes-vous? Le soleil se lève à l'Orient. Ah oui, parfaitement. Da. J'ai des nouvelles importantes à vous communiquer. Nous ne restons pas ici. Qu'est-il arrivé à... Volodovine? Oui, c'est tout à fait ça. Un voyage impromptu. Il est désolé de ne pouvoir vous accueillir. Ah. C'est donc moi qui vous ferai visiter Paris, si toutefois vous le voulez bien. Avec plaisir. Comte Hartog. Enchanté. Volodovine m'a fait 1000 recommandations à votre sujet. Ah, j'en suis très flatté. Où logerez-vous? Rue Culture Sainte-Catherine, dans l'ancien hôtel du marquis de Croisil. Très bien. Vous savez que nous formerons bientôt une véritable petite colonie à Paris. J'espère que vous serez des nôtres. Da. Nous nous réunissons souvent chez la comtesse Porovna, vous connaissez? Da. Non. Une femme étonnante. Vous verrez, je lui dirai que vous êtes à Paris, elle vous recevra sûrement. Mais... Non, n'ayez aucune crainte, c'est une fidèle de Kulnick. Alors... Mais que regardez-vous ainsi autour de vous? Je cherche votre voiture. Vous cherchez trop loin. Ma voiture est là, derrière nous. Alors inutile que je vous offre les services de la mienne. Inutile? Merci. À bientôt. À bientôt.
Altesse ne s'est pas trompée. L'homme gris ne s'est pas présenté, il en est réduit à la poudre aux yeux. À nous de jouer maintenant. Allez! Céline, vous êtes le prince Céline? Oui, pourquoi? Puis-je vous demander votre passeport? Inutile, je vous crois sur parole. Vous désirez? Monsieur, au nom de Kouzmik, je voudrais que vous m'accordiez sur le champ un petit entretien discret. Je ne connais pas Kouzmik. Monsieur, je vous en prie. Que désirez-vous? Vous sauvez la vie. Mais pardonnez-moi, je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant. À la maison, vite. Vous n'aviez pas d'autre méthode pour me sauver la vie. Non, car il fallait agir vite. Qui êtes-vous donc pour oser vous attaquer à Potoniev? Nous reparlerons de ça plus tard, voulez-vous? Pour l'instant, je vous demande de me faire la grâce d'accepter mon hospitalité, par mesure de prudence. Guignon! Conduis son Altesse jusqu'à la chambre d'amis. Elle est très confortable, vous pourrez y faire déposer vos bagages. Je vous remercie. Je suis revenu bien vivant de mon rendez-vous d'amour. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu vas donc à nouveau prendre le visage de mon pire ennemi. N'est-ce pas ce que tu désires? Du fond de toi-même. Depuis le début. Où vas-tu? Où veux-tu que j'aille? Je suis si fatigué. Si fatigué. Pourquoi tu joues? Aux Indiens. C'est là. Eh, ça va, beau merde. Je te prends pas pour un aigle, hein.
Mais c'est un passe-muraille. Et le messager n'a rien ajouté. Rien, monsieur. Voici le moment de montrer que vous êtes un autre homme, monsieur de Beaupréau. Hier, vous avez connu les prémices. Aujourd'hui, vient la conclusion. La logique est un engrenage. Et vous y avez mis le doigt. Oui. Le prince Iline a reçu cette invitation de la comtesse Porovna. À 5 heures cet après-midi. Oh, oh. La licorne a vite mordu. Tant mieux. Vous voilà lancé dans le grand monde. Oui, un monde d'animaux cornus. Vous savez bien que la licorne n'est qu'un mythe. Hey. Je veille. Il n'y a pas de coup qui vous sera fatal. Prenez. Ah non, j'ai le mien. Oui, celui-ci a plus de vertu que le vôtre. La belle jardinière vous entraîna sans doute dans son domaine de Saint-Cloud pour vous faire visiter de fabuleuses serres. Lorsque vous serez au milieu des fleurs, vous n'aurez qu'à poser ce mouchoir sur votre nez. Oui, des sucs précieux l'imprègnent et empêcheront certains effluves dangereux de vous atteindre. Oh, c'est de la magie. Oui, presque. J'ai moi aussi vécu en Orient et j'ai appris quelques petits secrets. À la magie noire de la belle jardinière, j'oppose la magie blanche de Rocambole. Oui, mais enfin, tout de même, si je me trouve dans une situation désespérée... Il n'y a pas de situation vraiment désespérée. Enfin, tout de même, s'il me semble que... Ah, s'il vous semble que... Oui. Alors, dans ce cas, vous n'aurez qu'à boire le contenu de cette fiole. Oh. Encore un secret d'Orient? Ah non, non. Ceci serait plutôt un sauve-qui-peut, mis au point par un génial inventeur français, déjà connu pour l'invention d'une célèbre poudre. Ah, Perlimpinpin. Pourquoi pas? Le maître. Où est le maître? Ici, monsieur est absent. Absent ici? Ici, absent. Et où est-ce qu'il est à présent? Je ne sais pas. Il n'est peut-être pas absent, c'est monsieur et madame Capendoc de Cardagnac. Bon, j'y vais. L'homme est dans l'action. Plus grand que moi l'a déjà dit. Il ne faut pas que la joie te rende téméraire. Rocambole, il veillera pour moi. Que faites-vous là? Il faut qu'on voie le maître, immédiatement. Mais que se passe-t-il? Nous avons découvert le repère. Celui de Potania? Eh, pardi, j'y vais. Capendoc! Avez-vous laissé quelqu'un en surveillance devant le repère? Personne, nous n'étions que deux. Mais tu vois bien qu'il faut que j'y aille. Pour faire Rocambole nous attend. Mordez-Brave t'accompagnera. Allez, toi, montre-moi le chemin. Capendoc! Je t'assure, Rocambole ne peut pas me désavouer. Il a raison. Et si j'avais su? Non. Il y a plus urgent que surveiller le repère. Et quoi? Monsieur de Beaupréau vient d'arriver dans le palais d'une licorne cruelle. Nous porter le thé. Puis tu t'en iras m'attendre à Saint-Cloud. Je crois que tout ira très vite. Ah, j'ai de joie à vous connaître. Oh, madame, votre beauté passe votre réputation. Parfaitement. Nous serons seuls. J'ai pensé que cela valait mieux pour une première rencontre. Vous avez très justement pensé. Nos amis se joindront à nous lorsque vous reviendrez me voir.
À moins que vous n'ayez horreur des grandes assemblées. Oh, mais l'intimité a son charme. Parfaitement, parfaitement. Eh bien, quelles nouvelles apportez-vous de Moscou? Les nouvelles? Ah oui, bien sûr, les nouvelles. Il y a si longtemps que j'ai quitté la Russie. Oh, il ne peut y avoir bien longtemps, madame. Vos souvenirs sont peut-être plus nouveaux que mes nouvelles. Parfaitement. Vous êtes un homme d'esprit. Et à quoi bon Moscou? À Paris, il ne faut parler que de Paris. Non! Et sur ce sujet, je suis inépuisable. Vous connaissez donc déjà Paris? Ah non. Non, mais tant d'amis m'en ont conté les agréments. Y vivre est autre chose. Je vous le ferai découvrir. Oh, madame. Vous apercevrez que vous ne savez rien. Ici, même la haine conserve un charme. Imaginez donc ce que peut être l'amour. Qu'arrive-t-il? Une bonne nouvelle. En suivant Artov, Marmouza et Mordébrave ont découvert leur père. Oui, dans la forêt de Marly. Bravo, Mordébrave, je suis content de toi. Oh, mais... Va rejoindre Mourax, je sache où vous trouver. Bien, maître. Et toi, monte. Et ici? Ici, il faut attendre. Beaupré où est là? Avec la belle jardinière, oui. Rocambole, je suis inquiète. Pour Beaupré où? Non, pour Beaupré où tu es là. Et alors? Capendoc a voulu suivre Marmouset pour surveiller le repère. Et il a bien fait, un homme qui va conquérir l'Amérique n'a rien à craindre. J'espère. C'est ici? Oui. C'est là. Oh! On croirait voir mon château de Gascogne. Il n'est pas plus beau que celui-là? À peine, mais c'est le mien. Où as-tu vu disparaître ton passe-muraille? Là-bas. L'entrée d'un souterrain. Oui, ça j'avais deviné. Marmouset, tu vas rester ici. Où allez-vous? Repérer l'entrée du terrier. Et si les renards en sortent? Mais vive Dieu, c'est ce que je demande! Tu prends pour une poule? Méfiance, ces renards-là sont de drôles d'oiseaux. Marmouset, reste ici et ouvre l'œil. Mais... T'en fais pas, mon bonhomme. Comprends-moi. Il y a trop longtemps que j'attends cette minute. Complice de l'homme gris. Oui, le baron de Cardaignac. Nous l'avons surpris près de l'entrée secrète. Ainsi donc, vous vous êtes laissé suivre depuis la banque. J'avais prévenu votre Altesse que l'homme gris comptait s'y manifester. J'avais insisté sur son habileté. Mais il n'a pas enlevé Hélène. Non. Cependant, nous prendrons à l'avenir les précautions qui s'imposent. Avez-vous songé à faire surveiller les princes Hélène? Je ne l'ai pas jugé utile. Et si les princes Hélène avaient été suivis comme vous l'avez été vous-même? L'homme gris, dans ce cas, pourrait découvrir les secrets de la prince. C'est pas là. Je retourne auprès de la princesse. Non, restez. Je n'ai plus confiance qu'en moi-même. Mais votre Altesse ne peut se montrer. Les circonstances m'y obligent. Ah, madame, parlez. Parlez encore. Votre voix est une source. Auprès de cette source, les pervenches de vos yeux sont écloses. Poète. Vous aimez les fleurs? Quelle question, madame.
Savez-vous que je cultive les plus belles? Tout Paris le sait, mais peu ont eu le privilège de les voir. Mais quel exploit faut-il accomplir pour en être digne? Au prince Iline, il suffira de me suivre. Ah, madame, jusqu'au bout du monde. Vous ne croyez peut-être pas si bien dire. Allons. Ça va durer longtemps. Je sens que la foudre est dans l'air. Tiens, regarde. Sir Williams, Rocambole, je te l'avais dit. Attends-moi là. Mon bon maître, nous allons rire. Madame la comtesse vient de sortir par la petite porte du jardin avec son visiteur. Mes respects, monseigneur. Je suis content de te retrouver ici. Voyons pourquoi ce silence. Ne crois-tu pas que le moment est venu de répondre à toutes les questions, mon bon maître? Si. Sir Williams. Oui, Sir Williams, le seul. Que faites-vous ici? Et pourquoi vous montrez en ma présence? Pour vous sauver, et sauver notre commune conquête. L'heure est venue de laisser tomber le masque. Vous pourriez donc n'en plus porter? J'ai su que l'homme gris projetait de substituer un faux prince Iline au vrai. Je me suis donc précipité jusqu'à notre asile secret. Votre absence m'a inquiété et je n'ai pas hésité à venir vous rejoindre pour vous prévenir. Mais comment aviez-vous appris les projets de l'homme gris? Je disposais chez lui d'un œil et d'une oreille qui ne pouvaient me tromper. Et vous l'aviez retrouvé. Le voici. Lui? Eh bien, qu'en dites-vous, prince? Prince? Oh, monsieur, les masques tombent comme feuilles en automne. Eh bien donc, je prie son Altesse, le prince Potoniev, d'accepter le salut de l'homme gris. Je vous félicite, Sir Williams, grâce à vous, la menace qui nous a un instant troublés s'envole et tout se résout pour le mieux. Venez, nous rentrerons ensemble. Un instant. Il me reste une question à poser à monsieur. Tu n'es donc entré chez moi que pour me tromper. Non, je ne t'ai pas trompé. Lorsque tu es venu à Saint-Cloud sous l'apparence de l'homme gris, j'étais aux côtés de son Altesse, à t'observer par une ouverture secrète. Et tout de suite, quelque chose au fond de moi t'a reconnu. Je savais tous les trésors d'adresse et de courage que tu déploierais pour nous combattre, mais dans le même temps, je savais toute la vanité de ta lutte. Alors j'ai voulu t'obliger à renoncer, par tous les moyens, même les plus fous, comme le jour où je t'ai montré Volodovine. Je n'ai voulu que te sauver. Rien de plus. D'où vous vient cette intimité? Et ces soucis d'épargner l'ennemi? Sir Williams et moi sommes de vieilles connaissances. Ne le saviez-vous donc pas? Est-ce vrai, Sir Williams? Un lien de cœur vous unirait à un fidèle des Cosmiques. L'homme gris est parfaitement étranger à Cosmique. Alors, qui est-il? Pourquoi se dresse-t-il sur notre route? Il n'a aucune raison de nous combattre. Son ignorance, son aveuglement seul lui donnent des raisons. Et c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais tu n'as pas réussi à me détourner de mon chemin. Et voici maintenant le clair affrontement. Non, nous ne nous battrons plus. Je ne le peux plus. Je ne le veux plus. Tête de marbre! Il faudra bien que tu comprennes.
Regarde. Regarde, son Altesse, le prince Potonier. Ce n'est pas seulement l'identité de nos visages qui fait notre alliance, mais la ressemblance de nos cœurs et de la soif qui les anime. La régénérescence d'un peuple tout entier est une ambition digne de moi et qui m'est chère plus que tout autre, même s'il te surprend de la trouver en moi. Nous faisons œuvre de vie et non de mort grâce à la science du prince Potonieff, une science qu'il a mutilée un soir dans son laboratoire. Prince, je vous dis mon honneur de notre alliance et je prends le monde à témoin. La seule victime de votre noble entreprise, c'est vous-même. Depuis qu'à Paris, la saison bat son plein, je ne viens plus à la campagne. Ces meubles familiers m'en font presque le reproche. Une maison abandonnée est une maison qui meurt. Mais nous lui rendrons la vie. Grâce à vous, prince. Partagez avec moi l'amour de la nature. Comment ne pas vouloir partager avec vous toutes les joies du monde? Où sont les fleurs? Vous êtes donc si impatient de les voir? Oh non. Si, da, da, je suis impatiente, très impatient. La visite de mes serres est une cérémonie. Il faut y préparer son esprit et recueillir son âme. Afin qu'aucune beauté ne soit inutile. Alors, qui peut se dire prêt pour une telle épreuve? Allons, prince. Que vos yeux accueillent maintenant la contemplation que je leur réserve. Oui, madame. Conduisez-moi au seuil du mystère. Je suis très satisfait de cette aimable rencontre, mais vous semblez oublier qu'en 7 minutes, le monde continue de tourner, messieurs. C'est pourquoi je me vois dans la triste obligation de prendre congé de vous. Le devoir m'appelle. Veuillez m'en excuser. Et que signifie? Messieurs, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Sir Williams! Geste pour l'empêcher de fuir. Mais parce que tout geste eût été inutile. Si le mur ne s'était pas entrouvert, c'était le sol ou le toit qui lui aurait laissé passage. Que donc cet homme qui s'enfuit par la vertu d'un secret que j'ignore, alors qu'il concerne les murs même de ma demeure. L'esprit qui danse. Notre main ne pourrait attraper que son ombre. Son nom! Je veux son nom! Et ce que je vous ai dit ne fait donc monter aucun nom à vos lèvres? Même pas le nom de celui qui fait battre le cœur de la moitié du monde et trembler l'autre moitié? Mais vous avez pu si longtemps vivre auprès de Sir Williams, sans songer que Sir Williams appelle une étrange rime? Lui? Lui. Rocambole. Radio, à Saint-Cloud. Sir Williams, un sosie de Potonieff? Potonieff ne portait pas un nez de cuir, moi-même je ne les distinguerai pas l'un de l'autre. C'est à ne pas croire. Comme d'habitude. Plus vite! Pourquoi aller si vite à Saint-Cloud? Qu'y a-t-il de si pressant? Nous connaissons maintenant le lieu secret d'où Potonieff et Sir Williams tissent leur toile. La belle jardinière doit être encore à Saint-Cloud. Si nous faisons vite, nous avons encore quelques chances de nous emparer d'elle. Nous emparer d'elle? Oui. Je vais te laisser, je prendrai Jéricho. Tu iras chercher Mourax et Mort des Braves. Vous viendrez me rejoindre à Saint-Cloud. Il n'y a pas une seconde à perdre. Peut-être Monsieur de Beaupréau est-il déjà dans une situation délicate. Beaupréau,
Beaupréhomme, mais où es-tu donc? Sur quelle planète pousse une végétation pareille? Oh, comme je regrette mes pissenlits, mes échalotes sauvages, mon cresson des fontaines. Oh, allons bon, voilà prisonnier à présent. Non, j'ai entendu parler de plantes carnivores. C'est que... Ah non, ça ne peut pas être mangé. Ah non, c'est pas possible. Oh, me voilà dans une situation désespérée. La fiole. La... Ah non, c'est le parfum des fleurs. C'est le mouchoir. Ah, mais faut que je sorte maintenant. Vraiment d'une situation désespérée. Perlimpinpin. Enfin. Bonsoir, messieurs.